Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour vivre la 7ème, véritablement la 5ème manche du championnat de Porsche Super Cup organisé par la FFSA. Bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons ce soir en direct depuis Sotchi en Russie pour vivre donc cette manche du championnat qui devait compter normalement une manche du côté de Monaco, mais malheureusement, eh bien, des soucis avec le circuit nous ont empêché, eh bien, de pouvoir produire notre effort et de vous proposer cette manche. Ce soir, on va donc courir sur, eh bien, la piste de Sotchi que voici. Elle a été inaugurée il y a de cela 2 ans, en 2014, pour le premier Grand Prix de Russie de Formule 1 de l'histoire. Les pilotes sont actuellement en séance qualificative. On va prendre le temps ensemble de discuter rapidement de ce qui s'est passé. On notera l'absence ce soir de deux pilotes de pointe. Anthony Yans, vous le savez, qui s'est retiré du championnat. Et ensuite, Simon Pirard, un autre pilote de l'équipe Martini Racing, Team Spirit, qui ne prendra pas ce soir part à la course, mais qui sera présent sur le chat. Vous pourrez trouver les deux loustiques sur donc notre chat. Ce circuit de Sotchi fait partie d'un calendrier, donc vous découvrez donc cette manche. Il y a eu interversion entre le Hungaroring et Monaco, qui était donc la 5ème manche. Vous avez vu, on vous a fait une petite inversion pour que vous compreniez bien. Et techniquement, ce sera la 6ème manche courue de ce championnat de Porsche Super Cup. Voilà donc pour ce qui est du calendrier. Concernant le classement général, eh bien, il n'a pas bougé. Avant le Hungaroring, c'est le même classement qu'avant le classement actuel qui devait être après Monaco, si vous suivez, avec donc Anthony Yates toujours en tête malgré ce qui s'est passé, c'est-à-dire son retrait de la compétition. Voilà pour ce qui est du classement. Il est donc devant David Lespès, Pierre Closset, Simon Pirard, qui, on vous le rappelle, donc ne roulera pas ce soir, Logan Joyeux, Olivier Vignon, Nicolas Payès et Thomas Pinotto, Arnaud Patti et Thierry Daven complètent le top 10. Au niveau des horaires, voilà ce à quoi vous allez assister ce soir. 30 minutes de séance qualificative avec, bien, pour l'instant, les pilotes qui sont bien répartis sur les différents TeamSpeak, alors qu'un pilote, là, est déjà allé, comme on dit, taper le rail. De qui s'agit-il, alors qu'il y a eu un échappe? On n'a pas prêté outre mesure attention à qui revenait le tribut de cette faute. En tout cas, n'hésitez pas sur le chat, eh bien, à vous exprimer, nous vous lisons. N'hésitez pas également à vous dire si le son est correct, si vous m'entendez bien et si vous entendez un petit peu et derrière vrombir les moteurs de ces Porsche Super Cup. Il reste 27 minutes dans la séance qualificative. Pour l'instant, pas de quoi crier au scandale, tous les pilotes sont en tour de sortie, donc ne vous inquiétez pas, on va aller voir ça très vite. Vous avez vu le calendrier, les horaires et le classement. Reste le circuit, vous le redécouvrez à nouveau. On se retrouve d'ici quelques instants pour vivre les qualifications. On marque une très très courte pause. N'hésitez pas à partager le live, à nous retweeter. Et on se retrouve tout de suite pour vivre les 25 minutes restantes dans cette séance qualificative. A tout de suite. Voilà, merci pour ce petit moment de pause. On va passer tout de suite sur le direct. Voilà, on entre au cœur de l'action avec David Brochstein, actuellement détenteur du 7ème chrono. On suit sur notre live timing le temps effectué par les différents pilotes. On va rejoindre tout de suite Pierre Closset avec ses phares bien allumés qui s'élance pour un
nouveau tour rapide. Alors on n'entend pas bien les voitures en vue TV, mais ne vous inquiétez pas pour cela, on vous a promis de belles caméras embarquées. Vous connaissez bien cette piste de Sochi si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, puisque on l'a déjà parcouru à l'époque de la Formule Renault 3.5. C'était lors de la saison 2015 de Formule Renault. Alors on poursuit avec Pierre Closset, pour l'instant détenteur du deuxième chrono avec deux tours. On va vous proposer voilà, les temps et surtout les écarts. Vous voyez donc 5 centièmes de seconde pour Romain Thomas, pour l'instant en pôle devant Ludovic Ferrui. Ludovic Ferrui qui vient d'améliorer avec un 2.07.510. Vous le voyez, il est dans la première courbe de cette piste de Sochi. On le découvre ici en vue est télévisé, alors qu'on n'a pas du tout le direct. C'est plutôt embêtant, ça. Voilà, ça ira mieux ainsi. Vous allez pouvoir redécouvrir le direct, voilà, de cette manière-ci. Navré pour cette petite incartade de réalisation. Alors, un petit lag, ce qui signifie qu'un pilote, eh bien, nous a tout simplement rejoint. Alors, pour l'instant, ils étaient 23 au départ. Oh, le petit blocage de roue pour Ludovic Ferrui. Toujours en train d'améliorer, il a fait un très gros troisième secteur, c'est pour l'instant lui le plus rapide. Pierre Closset, eh bien, s'empare à la seconde de la pole provisoire. Pierre Closset qui fait très très fort, avec 6 dixièmes sur cette voiture, celle de Romain Thomas. Oh, eh bien voilà, Ludovic Ferrui qui est allé au contact avec un autre pilote. De qui s'agit-il? On va essayer de le trouver. Et c'est Florian Bayon, pour l'instant 15e, drapeau jaune dans le deuxième secteur ici à Sochi. On va voir, alors que Gilles Châtelain s'est complètement loupé dans son deuxième secteur avec 54 secondes alors que les autres sont en 46. David Brochtein qui vient de conclure un tour en 2 minutes 10, 307, s'emparant ainsi du 12e chrono. Sébastien Garcia vient quant à lui d'inscrire le 8e chrono. Alors qu'il reste 22 minutes, donc séance de qualification, 30 minutes pour réaliser le meilleur chrono. Alors que là, du côté de Jean-Claude Joly, on va tester la qualité de l'AstroTurf en bord de piste. Alors les voitures bleues sont les voitures des pilotes indépendants. Une nouvelle livrée devrait voir le jour pour la prochaine manche, et qui aura lieu du côté de Spa-Francorchamps. Avec Logan Joyeux pour l'instant 4ème qui fait un premier secteur en 46.932, plutôt correct. Alors que Pierre Closset vient de confirmer qu'il est en forme avec un nouveau premier secteur très rapide en 47 secondes 2. Pour l'instant, le premier secteur le plus rapide est en 46.761 pour Romain Thomas. Thierry Daven vient d'inscrire le 12e chrono. Premier secteur complètement loupé pour Philippe Renaud. Logan Joyeux, 5e. Philippe Renaud qui tombe au 6e rang. Le pilote du Hot Wheels Racing. C'était assez serré. Oh, et là, ça fume pas mal pour Jean-Claude Loetitia. Assez perturbant. Alors là, on va s'écarter pour Sébastien Garcia. Très beau 8e pour l'instant. Vous voyez qu'on va pas hésiter à aller se mettre hors piste pour ne pas gêner ses petits camarades. Emmanuel Grossin améliore son premier secteur de 2 centièmes. On va voir où il en sera pour le 2e. Avec la voiture du team 2F2F Team. Pour l'instant, plusieurs pilotes n'ont pas encore rentré de chrono. Morgan Guignon, Olivier Vignon et Olivier Mardoc sont pour l'instant sans chrono. Alors, on va aller voir un petit peu plus bas dans cette hiérarchie si éventuellement un pilote n'ayant pas encore de chrono améliore. Oui, Morgan Guignon qui va peut-être rentrer son premier chrono. Pas d'amélioration devant, on garde à l'œil les secteurs. Pour l'instant, c'est dans le rouge pour tout le monde. Et on salue la modération. Merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. Et Morgan Guignon qui s'empare d'un premier temps. Et de manière autoritaire, puisque c'est le 8e. Sébastien Garcia est en retard. Le chrono d'Emmanuel Grossin, pour l'instant 10e, ça ne bougera pas. Oh, et Thomas Pinotto qui est allé, je crois, sous la piste. Il est à l'arrêt, visiblement. En tout cas, on ne le retrouve plus sur notre classement. Oh, et tout en dérive, Gilles Châtelain qui démarre son chrono. Eh bien, c'est déjà un tour à jeter à la poubelle. Alors qu'il reste 20 minutes au temps officiel de cette séance qualificative. Un tiers de la séance a été couvert. Oh, alors que là, il y avait un pilote à l'aspiration, serait-ce Logan Joyeux avec le skin belge.
Ici Jean-Claude Joly, qu'on avait vu un petit peu en difficulté tout à l'heure, glissant sur l'astroturf en sortie de virage, tente lui de rentrer un chrono. David L'Espèce vient de s'emparer du deuxième chrono en 2.7.384, toujours une petite seconde derrière Pierre Clossé. Alors on va aller voir Thomas Laforge pour l'instant en tour rapide, mais sans amélioration notable depuis le début de cette séance. Il n'y a pour l'instant que 17 pilotes qui ont rentré un chrono valide, et regardez, 10 secondes d'écart entre eux, le premier et le dernier de ces 17 pilotes. Même si on est en une seconde pour les 5 premiers, ça reste très serré. Jean-Claude Joly qui vient de s'emparer de la 15e place devant Florian Bayon qui était tout à l'heure à la dérive. Et 8e chrono pour Thomas Laforge. À l'instant, on embarque avec lui à la fin de son tour rapide. Et nouvelle amélioration pour Pierre Clossé. Pierre Clossé qui vient de descendre la barre sous les 2 minutes 6.550. Il met maintenant un écart de 8 dixièmes de seconde entre lui et David L'Espèce. Le premier virage, vous le voyez, c'est ici un droit en forme de léger tire-bouchon. Ça va être compliqué de faire passer les quelques 23 Porsche Super Cup tout à l'heure pour une épreuve qui, on vous le rappelle, durera 60 minutes. Pas de safety car ce soir pour des raisons d'organisation. Alors Xavier Evrard qui va lancer à l'instant, voilà, son chrono. On regarde derrière, il n'y a personne. Attention à droite, ça sort. Et on va suivre Xavier Evrard et sa Porsche numéro 2 à l'entame du premier secteur. Il ne reste donc que 3 pilotes sans chrono pour l'instant. Pascal Cartier, Xavier Evrard et Mathieu Leclerc, puisqu'Olivier Mardoc vient à l'instant de rentrer le 13e chrono, juste devant Thierry Daven pour une demi-seconde assez autoritaire. Gilles Châtelain, l'un des hommes qui tire les ficelles de ce championnat, et lui 19e, alors qu'on a vu un pilote partir à la faute dans le fond de l'image tout à l'heure, mais ça n'a pas perturbé Xavier Evrard, dont on continue à suivre le tour chronométré. On monte littéralement à bord maintenant. Oh, et bien c'est allé taper, et on vient de récupérer un pare-choc en passant. Alors qui est allé taper? C'est une des voitures dites indépendantes. Alors, est-ce que les Porsche sont des GT3 ou des RSR? Alors, je ne sais pas quelle est la configuration classique, mais ce sont des GT3 en configuration Cup des 997. Et bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le chat. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. Allez, Pascal Cartier et Xavier Evrard qui sont les deux derniers à ne pas avoir de chrono. On va switcher rapidement sur Pascal Cartier qui, lui, vous le voyez, n'a pour l'instant pas décidé et de sortir en piste pour tenter d'aligner un chrono. Donc on partirait sur des GT3 évidemment. Les RSR sont configurés différemment. Xavier Evrard qui fait deux bons secteurs. Attention, Ludovic Furuy, le plus rapide dans le troisième secteur. Il vient de remettre 2 dixièmes de mieux, ce qui le place toujours 6 dixièmes derrière Pierre Clossé, l'homme fort de ce championnat depuis le départ d'Anthony Jans. Et c'est le 17e temps pour notre ami Xavier Evrard en 2.11.892. Reste Pascal Cartier, 21e, et Ludovic Furuy, que l'on suit ici après un premier secteur dans le vert pour 6 millièmes de mieux. Allez, on re-switch sur la vue globale pour profiter de la livrée de Ludovic Furuy. Oh, et on va allègrement tâter l'AstroTurf et Thomas Pinotto qui tente de rejoindre le serveur à plusieurs reprises. Alors que certains pilotes ce soir sont même en 4G car des soucis de fournisseurs internet leur ont empêché de poursuivre avec une connexion digne de tenir. Et Philippe Renaud, 4e chrono en 2.07.586 à l'instant. Et Jean-Claude Joly qui passe également. Gilles Châtelain remonte, 20e chrono pour lui. Et nous serons donc, je pense, 21 ce soir avec eh bien, des absents de taille comme Simon Pirard. Ça s'écarte logiquement. Et un deuxième secteur dans le rouge. Et donc le chrono peut être déjà jeté pour Ludovic Furuy. Et pour vous tenir un petit peu informé de ce qui se passe, eh bien pour l'instant, plus grand monde améliore. Tout le monde est dans des secteurs verts, mais plus de grosses améliorations.
Au niveau des conditions de piste, on est avec une température ambiante de 22 degrés. Pas de risque de pluie normalement. On devrait éviter l'averse ce soir à Sochi. Alors que vous voyez Ludovic Ferwi qui complète son chrono. Romain Thomas ici, assez large sur l'AstroTurf également. Philippe Renaud, quatrième. En retard également, tout le monde est dans le rouge. On va vérifier le premier secteur, peut-être d'Olivier Vignon, qui lui est en train d'améliorer et d'un bon dixième plein. 134 millièmes de mieux pour Olivier Vignon, que l'on rejoint à bord de sa monture dans le deuxième secteur de cette piste, on va dire, mi-urbaine de Sochi. En tout cas, les murs sont proches à beaucoup d'endroits. Alors, quelles aides sont prévues ou présentes sur la course? Alors, sachez que les pilotes conduisent sans assistance, sans antipatinage, avec l'ensemble des dégâts. Ils n'ont pas l'autorisation d'effectuer un échappe pour revenir au stand, c'est-à-dire que si accident il y a, eh bien c'est terminé. Si vous ne parvenez pas à rentrer jusqu'à la ligne des stands, vous ne pouvez pas réparer votre voiture. Et arrivée de David Lespèce dans le top 3, à l'instant en 2.07.384, boutant ainsi Olivier Vignon en retard au 7ème rang. Mais Olivier Vignon qui vient de mettre deux secteurs consécutifs dans le vert, et pour en terminer avec les assistances autorisées, sachez que tout le monde pilote au volant, sans aide. Donc avec usure des pneus et consommation de carburant. Alors la question, qui sera le Kvyat du jour? On se demande bien. On ne sait pas à qui ça va arriver. On suit Olivier Vignon pour la fin de son tour rapide ici à Sochi. Avec la bonne caméra, ce sera mieux. Le pilote du Hot Wheels Racing qui peut-être aller chercher une ou deux positions de mieux. Et en effet, c'est le quatrième temps, mettant ainsi Romain Thomas cinquième. Félicitations donc à Olivier Vignon pour ce quatrième chrono à 13 minutes exactement de la fin de la séance. Devant, ça n'améliore plus. Pascal Cartier n'est toujours pas sorti des box. On a vu Florian Billon en amélioration. On va suivre la fin de ce tour qualif de David Brochstein, le pilote du Gold Coast Racing, voiture numéro 27, noir et orange, vous la voyez, plutôt jolie, avec comme sponsor notamment l'équipementier Alpine Star, que l'on reconnaîtra bien. Et 15e chrono pour David Brochstein. On n'en a pas encore parlé, mais pas mal de pilotes nouveaux s'illustrent bien. On voit David de la Salle ici, dont c'est une des premières apparitions également. Et Logan Joyeux qui vient de nous rentrer le sixième chrono. Il se réveille, Logan Joyeux. Alors que ça sort pour, je pense, Jean-Claude Loéticia sur la gauche de votre écran à 12 minutes de la fin de cette séance qualificative. On commence à avoir une grille qui se dessine ici à Sochi avec, pour l'instant, donc en pôle, Pierre Closset qui vient de reprendre la piste devant Ludovic Ferwi pour un écart de 6 dixièmes de seconde, ce qui est assez conséquent. Pierre Closset qui est en train de dominer. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Eh bien oui, c'est Morgan Guignon dans son tour de sortie qui est allé s'écarter, peut-être pour ne pas gêner ses petits camarades, mais je soupçonne à tête à queue de Guignon dans ce troisième secteur. En tout cas, ça ne portera pas à conséquence puisque c'était un tour de sortie. Amélioration de Patrice Van de Woe. Oh, et la grosse dérive, là il a perdu beaucoup trop de temps et il a failli la mettre tout simplement dans le mur. Alors là, ça va être compliqué de repartir. Drapeau jaune. Alors les pilotes, ils ont évidemment avec eux la minimap qui va leur permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, on s'écarte surtout pour ne pas gêner. Allez, on remet ça dans le bon sens de la marche et c'est reparti. On va voir si on s'écarte encore pour Patrice Van de Woe qui va rester sur la droite, voilà, afin de laisser passer ses petits camarades. C'est dommage, il était en belle amélioration, mais le troisième secteur était pour l'instant de trop et toujours un drapeau jaune dans ce troisième secteur. De qui s'agit-il? Oui, drapeau jaune. Et c'est Morgan Guignon qui va... Oh là là, je ne sais pas si ça, par contre, la direction de course le tolère. Coupé de la sorte la voie d'entrée. Assez dommage ça. Et c'en est terminé. Donc Patrice Van de Woe repart à l'assaut du chrono. On embarque avec lui. Montez le son et profitez de ce tour qualif en compagnie du pilote du GNL Racing Team.
et de retour après le trois quarts de cette piste en compagnie de Patrice Van de Woe qui continue l'amélioration de son chrono. Il ne s'est pas laissé abattre après son erreur dans le troisième secteur. Alors évidemment, pour la question « Seras-tu aux 24 heures du Mans ?» Oui, j'y serai. Étais-je à la journée test ? Non. Devais-je commenter le VEC ? Oui, c'est toujours d'actualité. On verra au niveau des calendriers ce que cela donnera. En tout cas, on constate que Patrice Van de Woe, hein, c'est un réglage qui convient bien au premier secteur et au second, plutôt rapide, mais le troisième, un peu plus technique et sinueux, qui demande peut-être plus d'appui, provoque le déséquilibre de sa voiture. Et c'est dommage parce que tout le bénéfice de ces très bons deux premiers secteurs, il le perd dans le dernier, alors que quelqu'un qui vient de perdre plus que du temps là, c'est un pilote qui est allé titiller le mur, et c'est Gilles Châtelain, 21e et avant-dernier pour l'instant. C'est assez serré. Alors que, oh là là, on va aller très vite voir du côté de la tête parce qu'il y a une amélioration pour Pierre Closset qui a fait un très bon deuxième secteur pour moi, mais ça ne semble pas être celui-ci en tout cas. Oh, ça sort également pour Philippe Renaud afin de ne pas gêner les autres pilotes. Alors, vas-tu commenter la course de 8 heures qui aura lieu ? Oui, le TUPLC, la course caritative, devrait être retransmise en direct le 9 juillet prochain. Mais je vous ferai dans la semaine une petite vidéo de présentation de cet événement. Alors que la bonne nouvelle, eh bien, c'est le retour au box du pilote qui est allé taper tout à l'heure. Oh, et Jean-Claude Loetitia est également allé titiller le mur. Et Pierre Closset qui fait un très bon deuxième secteur, mais malheureusement, le premier et le dernier n'était pas assez bon. On suit le premier secteur de Thomas Laforge en caméra embarquée avec le pilote indépendant. Pour l'instant, 8e sur cette grille de départ en 2.08.0.66. Et il reste 7 minutes 15. Restez avec nous juste après. Vous pourrez suivre l'interview du Poleman. Et donc Pascal Cartier présent mais sans chrono pour l'instant. David Delassalle améliore de 3 places, prenant ainsi la 12e de cette grille de départ. Le pilote à la voiture blanche et rose qui fait pour l'instant le travail. Jean-Claude Joly s'empare du 18e chrono au détriment de Xavier Evrard. Ah, et Jean-Claude Joly qui a disparu de notre classement temporaire alors qu'il venait de rentrer un chrono correct. Florian Veillon s'empare à son tour de la position. Allez, on continue avec Thomas Laforge qui a perdu donc une seconde pleine. Ah, ça améliore pour l'instant pour Morgan Guignon. 11e. Va-t-on assister à quelque chose de la part de Morgan Guignon qui, vous le voyez, utilise toute la largeur de la piste navrée pour ces quelques frises dues eh bien, la connexion, déconnexion et reconnexion de certains participants. Vous savez qu'on peut assister à la course jusqu'à la dernière seconde de la séance qualificative. Après, il faudra eh bien, se contenter de la suivre en tant que spectateur. Morgan Guignon, deuxième secteur avec 2 dixièmes de mieux. Ça peut facilement le placer dans le top 10. Et dans les dernières minutes de cette séance, il est intéressant de voir qui va prendre plus de risques. Alors que vous donnez vos pronostics pour Le Mans cette année sur le chat, pourquoi pas. C'est vrai que c'est assez indécis comme compétition cette saison. Et l'amélioration de Morgan Guillon qui gagne de justesse le top 10. Un pilote est allé à la faute de nouveau dans ce troisième secteur. Ou est-ce simplement quelqu'un qui s'est écarté ? Non, c'est Philippe Renaud. Qu'est-ce qu'il y a ? Une coupure de contact sur cette voiture. Et oui, il n'y a plus de bruit de moteur. Est-ce qu'il ne serait pas tombé en panne d'essence, Philippe Renaud ? Et drapeau jaune également dans le second secteur. Drapeau jaune également dans le deuxième secteur. Attention, les choses qui commencent à s'enchaîner. C'est David Delassalle, pardon. Je vous en parlais tout à l'heure avec son skin orange, rose et blanc, pardon. On va y arriver. Et oui, c'est vrai que lors de la dernière manche disputée ici, c'était en Formule Renault 3.5 et mes cordes vocales avaient souffert, il est vrai. Oh, et une demi-seconde de mieux pour Olivier Mardoc. Est-ce qu'il va nous faire un top 10 ? Il peut y aller facilement, là. Et non, il améliore, mais que de 9 centièmes, Olivier Mardoc. Il améliore donc son chrono, mais non pas sa position. Premier secteur pour David Brochstein également. Nouveau chrono lancé. Gilles Châtelain est allé au large.
Pierre Closset, premier avec un premier secteur dans le rouge. Ça ressort pour Ludovic Furwi. David Espèce s'écarte pour laisser passer ses petits camarades. Olivier Vignon, cinquième. Alors que ça s'était mal passé du côté de Mosport en GTE pour l'équipe pour laquelle pilote Olivier Vignon. Le Real Championship, ça s'était mal terminé. Et au passage, le Real Championship, dont un des membres a réussi à devenir un des 300 bêta-testeurs et dès fin 2016. Plutôt honorifique comme récompense. Alors qu'il reste 3 minutes 40 pour nous. On va voir si un pilote est en train d'améliorer. Oui, Olivier Vignon est en train d'améliorer. On termine le tour en compagnie du pilote pour l'instant, 5e. Et oui, Olivier Vignon qui est allé mettre deux roues sur les gendarmes couchés. Et on est maximum attaque et on voit beaucoup de pilotes qui perdent du temps dans le troisième secteur qui demande un peu plus d'appui que les autres. Le dernier droit pour le pilote de la voiture numéro 69 et malheureusement, vous voyez, voilà, de nouveau, du temps de perdu. Malheureusement, alors, nouveau chrono lancé pour Thomas Laforge à 3 minutes. 3 minutes de la fin de cette séance qualificative. Et Pascal Cartier n'est toujours pas présent sur la piste. Et bonsoir aux derniers arrivants sur le chat. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir pour notre soirée Sim Racing. On devrait assister au départ après l'interview du Poleman. Alors, Thomas Laforge, 9e, il devrait faire un chrono dans les 47 secondes pour bien s'en sortir. Et malheureusement, il est déjà en retard. Sébastien Garcia, que l'on n'avait pas encore vu à l'œuvre dans cette séance qualificative, est en train de rentrer un beau premier secteur. Mais là, c'est sur l'astroturf et c'est dans le mur que ça va se terminer. Drapeau jaune, attention, il y a d'autres pilotes qui arrivent, notamment des voitures du Hot Wheels Racing. Et il a pu repartir sans dégâts pour l'instant. Alors que risquent les pilotes s'ils font échappe? Eh bien il y a une pénalité qui est inscrite, un carton jaune. Et si ça arrive en course et qu'ils repartent, eh bien ce serait une disqualification pure et simple. David Brochstein est légèrement à l'amélioration de nouveau. Oh, Gilles Châtelain qui met une seconde. Attention, on va suivre Gilles Châtelain. Gilles Châtelain qui met une seconde de mieux, mais qui reste quand même en 48 secondes dans le premier secteur, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une seconde de mieux que son chrono actuel. On pourrait le faire passer devant Jean-Claude Joly, hein. Tout est bon à prendre, évidemment. Oh, et c'est pas avec un freinage pareil que ça va s'améliorer. Beaucoup de blocage de roues ici sous le tunnel, hein. Le pont qui aura fait pour l'instant aucune victime, mais on s'attend à quelques accrochages. C'est là où était sorti, rappelez-vous, Carlos Sainz Jr. aux essais libres du Grand Prix. Terrible sortie pour le pilote Toro Rosso. Heureusement, ce dernier en s'en était sorti indemne. Et voyez que réaccélérer sur l'AstroTurf, eh bien, c'est à la mode. Et là, par contre, c'est pas du tout le bon point de freinage pour Gilles Châtelain. Un peu de précipitation, mais pourtant, ça améliore bien. Et ce tour propre le fait déjà passer. Voilà, eh bien, juste devant. Vous voyez, pour 2 dixièmes, même pas devant Jean-Claude Joly et sa voiture numéro 41. Et Pascal Cartier n'est toujours pas titulaire d'un chrono. David Brochstein vient de rentrer, lui, le 17e. À 2 secondes 6 du meilleur temps. En tout cas, le classement final de cette séance qualificative se dessine à 30 secondes de la fin de cette même séance. On va pouvoir observer d'ici quelques instants l'abaissement du drapeau à damier. Ce n'est rien, une petite chute dans le studio, une petite chute de tablette. Parfois que ça arrive, les tables sont trop loin, que voulez-vous. Allez, 10 secondes, dernier tour pour tout le monde, on ne sait pas qui va encore passer. On a pas mal de pilotes qui tentent une dernière tentative, ça risque de bouger un petit peu au niveau des chronos. On jette un oeil toujours sur notre live timing avec pas mal de pilotes dans le vert, mais pas de choses exceptionnelles. Alors, ça améliore pour quelques pilotes. Alors on va regarder, et deuxième secteur quasiment à zéro pour Logan Joyeux, et c'est terminé. Pour l'instant, Olivier Vignon est en amélioration, le pilote cinquième, et c'est le seul pilote du top 10 en train d'améliorer ou de rentrer un chrono. On va rester
pardon, avec voilà, Olivier Vignon, deuxième secteur dans le vert, 3 dixièmes de mieux. Est-ce qu'Olivier Vignon ne serait pas en train d'aller chercher une deuxième ligne sur cette piste de Sochi? La séance est officiellement terminée. Pole position provisoire. Même si là, ça va être difficile, je pense, pour Olivier Vignon d'aller la chercher. Mais c'est le seul qui peut dans le temps imparti. À moins que je me fourvoie. Allez, la relance pour lui. Et quatrième temps pour Olivier Vignon. Ah, et ça passe de très très peu, 2 centièmes de seconde. Du top 3, mais c'est quand même une deuxième ligne, belle performance, et tout le monde est en train petit à petit de la passer, cette ligne du transpondeur, et plus personne n'améliore, je crois. Et si, attention, j'ai parlé trop vite, je vous le disais, Ludovic Furwy qui est en train de faire 3 dixièmes de mieux dans le premier secteur, et Ludovic Furwy qui est 7 dixièmes derrière Pierre Clossé, donc pourquoi pas rejoindre Pierre Clossé sur la première ligne. Attention à ce freinage toujours très délicat pour les pilotes. Le passage du pont. Et on va pouvoir découvrir d'ici quelques instants le retour des pilotes. Alors, va-t-on assister à un chrono d'anthologie de Ludovic Furwy? Et va-t-il bouter David Lespès hors de la première ligne? Il en a pour l'instant la capacité au chrono. Il va lui rester un virage à droite. Le voici. Ludovic Furwy. Troisième chrono, ça n'améliorera pas pour Ludovic Furwy. Bien écoutez, je pense que c'est maintenant terminé. On va repasser un instant en pause et on se retrouve d'ici quelques secondes pour vivre l'interview du poleman. A tout de suite. Et de retour dans notre cabine, pardon, en compagnie de Pierre Clossé, le poleman de la soirée. Bonsoir Pierre. Bonsoir Axou. Alors on te retrouve une nouvelle fois en pole position, décidément. Ça a l'air de bien te convenir cette Porsche Super Cup. Raconte-nous comment tu as vécu donc cette séance disputée sur le sec et où tu remportes le titre de poleman après une différence de 6 dixièmes de seconde sur tes adversaires, le plus proche étant David Lespès. Déjà c'est ma première pole. Je sais pas. Merci de me donner des autres, mais non. Mais tu n'en avais pas fait une déjà? Non. Ah, pardon. Non. Non, non, non. Franchement, assez content. Je connaissais pas le circuit avant cette course. Enfin, je veux dire, j'avais jamais roulé dessus. Mmh. Et franchement, très agréablement surpris. Et j'aime vraiment bien le style de tracé. Alors justement, tu parles du style du tracé. On voit que beaucoup de pilotes ont opté pour des réglages peut-être un peu plus rapides. Pourquoi pas pour dépasser en bout de la première ligne droite, la ligne droite des stands, parce que eh bien, vous êtes nombreux à bloquer les roues, déraper, glisser, perdre le train arrière dans le troisième secteur qui est le plus serré. Tu as orienté tes réglages pour être plus confortable, pour attaquer, avoir de la vitesse de pointe. Comment tu as abordé le point de vue réglage cette épreuve? Tu sais à qui tu parles, moi les setups. C'est pour ça que je me demande si. C'est quasiment. Bah, comme d'habitude, c'est quasiment le set de base. Mm-hmm. J'ai pas vraiment touché à autre chose. J'ai juste fait. Que j'avais fini. Mais voilà. Le toe in arrière, j'ai mis le maximum et c'est tout. Voilà. D'accord. Alors, sinon, par ça, c'est par défaut. Est-ce qu'il y a justement quelque chose à surveiller sur cette voiture pendant les 60 minutes d'épreuve? Est-ce qu'au niveau des pneus, de la consommation, raconte-nous un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend fébrile, vous les pilotes ou... Ouais, bah,
Moi, je vais surtout regarder les pneus, parce qu'il y a pas mal de longs virages, comme le triple gauche, si on... Oui. Triple gauche. En appui, donc là, il faut des pneus en bonne condition, faut pas, faut être très léché dans les virages, faut pas être agressif sur le freinage, faut laisser couler la voiture dans le virage. Bon, voilà, si j'arrive à faire ça, je serai content, j'aurai confiance en mes pneus. Très bien. Alors, on nous dit sur le chat que tu avais déjà fait une pole du côté de Barcelone. Est-ce que c'était... Non. Non, très bien. Eh bien, on salue Nicolas qui nous a donné une fausse information. Mais en tout cas, voilà, navré pour cette petite erreur. Bah écoute, merci pour ces quelques mots. On ne va pas te déranger plus longtemps parce que eh bien, le warm-up démarre et tu as une course à préparer. Merci pour ton temps et on espère te retrouver, pourquoi pas, on l'espère, sur la plus haute marche d'ici un peu plus de 60 minutes. Merci. J'espère aussi. Merci à toi. À tout à l'heure. Et on va donc maintenant marquer une petite pause et on va laisser Pierre retourner dans son channel pour nous. Eh bien, il est l'heure de marquer une petite pause et on se retrouve d'ici quelques instants pour vivre le warm-up. A tout de suite. Se retrouve pour vivre le warm-up avec des sons Windows offerts par la maison. Voilà, avec la bonne scène évidemment pour vivre donc les 10 dernières minutes exactement du warm-up de cette manche de Sochi. On rappelle la pole position de Pierre Clauset. David Lespèce qui nous confiait en interne eh bien, qu'il avait une fenêtre ouverte pendant la séance qualificative et ce qui l'empêchait tout simplement eh bien, de voir où il allait. C'était plutôt embêtant en plein milieu de son écran. En tout cas, la grille de départ est maintenant connue. Il reste maintenant 10 minutes aux 21 pilotes engagés. Alors, ils sont 23, pardon, maintenant, puisque deux pilotes sont arrivés sur le tard. On a Thomas Pinotto et Mathieu Leclerc. Et finalement, est-ce qu'on va voir en piste
On a vu Thierry Daven également. Eh bien, oui, voilà, Pascal Cartier, que l'on n'avait pas vu en qualification. Pourquoi ? Eh bien, ça vient de me revenir, navré, c'est que, eh bien, il y avait une pénalité, je crois, pour Pascal Cartier, suite à la dernière épreuve. Oh, et là, il y a une incompréhension, surtout, avec numéro 28, c'est Florian Bayon, je pense. À moins que je commette une erreur. Oui, numéro 28, c'est Florian Bayon, avec son skin que l'on reconnaît bien, avec différents reflets. En tout cas, l'idée de placer un skin bleu, pour le moment, sur les voitures indépendantes, eh bien, n'est pas plus mal. Ça permet de voir les pilotes avec moins d'habitude, plus facilement être repérés. Belle publicité également pour les bonbons Mentos, tant que nous y sommes. En tout cas, comme je vous le disais, eh bien, l'intérêt de ce warm-up n'est pas réel pour nous. Il est plus pour les pilotes qui évitent voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire se réhabituer après avoir passé une demi-heure avec une voiture à vide et des pneus pour la qualif. Eh bien, à reprendre du poids, du transfert de charge et des gommes peut-être un peu plus dures pour certains. Vous avez entendu Pierre Clossé pendant la qualification nous confier eh bien, que ça allait être un peu plus compliqué, qu'il fallait regarder au niveau des pneus. La consommation, elle, n'allait pas être un problème ce soir. Mais c'est bien les pneumatiques qui risquent de poser problème. Ne me demandez pas où on en est au niveau des stratégies. Je ne sais pas ce qu'ont décidé les pilotes. En tout cas, on le saura d'ici un peu plus d'un quart d'heure. Pourquoi un quart d'heure ? Parce qu'il y a d'abord eh bien, les 8 minutes restantes et surtout les 6 minutes 30 de pré-grille. Alors que là, il y a un aileron arrière manquant sur la voiture de Jean-Claude Loetitia. Et je crois que c'est Pierre Clossé qui sera allé le percuter. En tout cas, le skin... me met peut-être en erreur. En tout cas, Jean-Claude Loetitia a perdu pare-choc avant et pare-choc arrière. Il y a peut-être eu un strike là au bout de cette ligne droite. Oui, pour l'instant, pas de traces. Bah, écoutez, on va rester plutôt correct à ce niveau-là. Mathieu Leclerc qui s'écarte pour David L'Espèce. Bien décidé à montrer qu'il a le niveau pour aller titiller donc Pierre Clossé, poleman. Donc première pole en Porsche Super Cup pour Pierre Clossé, navré. Avec tous ces championnats, j'ai commis une petite incartade pensant que c'était sa seconde pole. Mais il est vrai qu'à l'époque du début de saison, eh bien, il y avait Anthony Yans qui trustait les premières positions. Le pilote belge qui s'est concentré sur eh bien, la manche de GTE Series. Depuis, le championnat de GTE Series pardon, et ses manches que vous pouvez également suivre sur cette même chaîne Twitch. Drapeau jaune dans le premier secteur. Et c'est ici qu'on va tenter une dernière fois de faire la différence. Et on voit derrière la voiture numéro 77 partir un petit peu à la dérive. C'était Gilles Châtelain. Lui, le long gauche, on vous en parlait tout à l'heure avec Pierre Clossé ici. Il va falloir que les pneus tiennent la distance. Voilà, et on va un petit peu partout, dans tous les sens, là, pour tout le monde. Évidemment, on tente de rentrer un chrono, même si ça n'a, je vous le rappelle, aucune valeur. Voilà, Romain Thomas qui lui va... très proche du rail là. Et oui, le courant est revenu pour ceux qui me suivaient un petit peu. Oh, et là il va y avoir contact, non? On avait quasiment Ludovic Ferru au contact avec Romain Thomas. Alors que pour Jean-Claude Loetitia, on est allé refaire un petit peu de carrosserie du côté des box et ça va mieux. Drapeau jaune dans le premier secteur. Décidément, les pilotes sont bien moins disciplinés. Ça nous promet une manche assez chaude avec, on vous disait, donc 24 pilotes partant. Ils étaient, je crois, 26 inscrits officiellement sur le forum de la FFSCA que vous pouvez retrouver dans la description. Alors, on va essayer de ne plus trop vous switcher les pilotes. On va garder, voilà, un pilote qui est en train de bien piloter. Un tour rapide et surtout un tour en amélioration, c'est Logan Joyeux avec qui on embarque maintenant. Alors qu'il ne reste que 5 minutes dans ce warm-up, on voit des traces de pneus. Il y en a qui sont allés un petit peu large, je vous l'avais dit. Beaucoup sont en setup de base, mais certains ont tenté un petit peu l'aventure avec un petit peu plus de choses pour avoir de la vitesse de pointe et pourquoi pas tenter la fameuse attaque en bout de ligne droite des stands à l'aspiration. La vitesse de pointe est très importante ici et ça va rentrer pour Logan Joyeux. Non, ça s'est écarté, pourquoi? Il n'y avait pas vraiment de raison. Regarde derrière, non, il n'y a personne derrière lui. Philippe Renaud qui rentre, Ludovic Ferru à l'attaque. Allez, on reste avec lui et c'est terminé.
Eh bien écoutez, on va passer en procédure de pré-grille. D'ici quelques instants, les pilotes vont pouvoir aller rejoindre leur emplacement. On marque une courte pause. A tout de suite. Alors vous l'avez dit, une courte pause ici, c'est une courte pause. On va vous proposer tout de suite de vivre, voilà, la mise en grille. Donc 6 minutes pour que les pilotes viennent rejoindre leur emplacement sur la grille de départ. Oh, on est allé un petit peu loin là derrière. Attention, il faut respecter la ligne blanche d'entrée et de sortie des box, c'est la réglementation. Donc dans 5 minutes 40, normalement le début du tour de formation et le début surtout des hostilités, on sera en temps à 22h pile, ce sera parfait. Et on assistera donc à 60 minutes de compétition sur cette piste russe, comme Oscar. Mon dieu, j'ai honte de ce que je viens de vous dire. Ludovic Ferrui est 3ème, ça sort pour beaucoup. On a vu les pilotes de tête partir très tôt, se mettre en gris, généralement ce sont les derniers à rejoindre leur emplacement. On rappelle que c'est bien entendu la fermeture des box hein, qu'il faut éviter si on ne sort pas en temps. Et les 6 minutes permettent également, si vous avez un petit doute, de faire un tour, de rentrer et de ressortir une dernière fois. Donc peut-être que certains, à l'issue de ce tour, opteront pour eh bien, une nouvelle entrée des box et non pas venir se remettre sur leur emplacement de la grille de départ. Et vous voyez qu'au niveau des pits, bien pour l'instant, seul David L'Espèce dans les hommes de tête est encore dans les box. On va aller voir ça tout de suite, voilà. David L'Espèce qui n'est pour l'instant pas sorti, pilote de la voiture numéro 51 qui partira donc en première grille, en première ligne de cette grille de départ. Le voilà, il suffisait de l'appeler, comme à l'école, on fait l'appel et ils sortent. Et je crois même que Thomas Laforge va suivre aussi d'ici peu de temps. Et Olivier Vignon, lui, il n'est vraiment pas prêt pour l'instant. Ça y est, ça sort, et bien voilà. C'est le dernier des hommes de tête. Vous voyez les petites LED rouges au-dessus de la grille de départ. Elles vont s'éteindre en fonction des minutes restantes. Je vais essayer de vous montrer ça. Tiens, normalement, si, alors que Xavier Evrard a décidé de stopper en piste. Assez curieux. Ça n'est pas franchement recommandé. Vous voyez, il y a une LED qui vient de s'éteindre à 4 minutes. Ensuite, 3, 2, 1. Et lorsque la dernière LED rouge au-dessus de la grille de départ s'éteindra, eh bien, ce sera le début du tour de formation. Et donc les premiers pilotes qui vont, voilà, gagner la grille de départ. On est avec Jean-Claude Letitia qui n'est pas le premier. Je crois que le premier sera Gilles Châtelain. On va aller voir ça. Ouais, c'est Gilles Châtelain qui va aller rejoindre donc son emplacement. Les pilotes ont des marqueurs que nous ne pouvons pas nous distinguer sur la réalisation. On va peut-être même pouvoir assister, regarder au fond de l'image. Est-ce que si on va rejoindre Jean-Claude Loeticia, 8ème, vous voyez qu'il y a d'autres pilotes qui rentrent et qui sortent. Voilà, d'ici on verra très très bien les LED puisque Pierre Clossé, notre poleman, vient de rejoindre la grille de départ. Vous allez découvrir juste au-dessus la LED qui va s'éteindre d'ici quelques secondes. Il restera donc 3 minutes au chrono. Voilà, la LED s'éteint comme dans la réalité, ça s'est plutôt bien fait. Et vous voyez donc la grille de départ qui est tout doucement en train eh bien, de grandir. David L'Espèce est quant à lui à l'autre bout de la piste, en train, avec ses petits camarades, eh bien, de nous rejoindre tout doucement, mais certainement. Et on va assister donc à 60 minutes de compétition. Ça devrait être assez acharné. David L'Espèce qui arrive au ralenti. Et Ludovic Ferrui, lui, est déjà en train d'aller regagner sa place. Attention, 2 minutes 20 maintenant, voilà, pour les pilotes. Ils ont encore le temps, sachant que le tour ici fait, eh bien, 2 minutes. Et sur un chrono équivalent à ce que l'on peut faire à Bathurst, en Australie, 2 minutes 10 à peu près. Alors, Olivier Vignon à son tour, qui tente de gagner la grille avec sa voiture numéro 69.
Alors, y a-t-il encore des gens qui arrivent dans ce dernier droit? Oui. On va les accueillir vers la grille de départ. Les voilà. Ils vont rejoindre leur emplacement. Olivier Vignon se gare. Eh bien, il ne nous manque que, je crois, David L'Espèce, que voilà, et qui va arriver à un peu plus d'une minute de l'extinction des feux, et qui, voilà, se place aux côtés de Pierre Clossé. On va même refaire une petite marche arrière, tant qu'on y est, voilà, histoire de bien se placer. Alors, c'est Sébastien Garcia, je crois, la voiture rouge qui revient prendre sa place. Je crois que tout le monde dans les 10 premiers est arrivé. Je crois que Sébastien Garcia étant maintenant garé, on attend Morgane Guignon avec la voiture bleue. Et ensuite, Thierry Daven qui voilà, regagne lui aussi la voie de départ. À 24 secondes maintenant, on va pouvoir lancer le tour de formation. Attention, et attention, pourquoi on ne va pas se placer là? Quelle est cette voiture? Serait-ce qui est-ce? Ce serait intéressant d'aller voir parce que je ne reconnais pas la livrée concernée, navré. Allez, c'est Thierry Daven, donc j'avais pas si mal vu que ça. Voilà, et bien maintenant que tout le monde est placé à une seconde près, on va, voilà, lancer le tour de formation maintenant. C'est parti sous la commande de Pierre Clossé. Donc en pôle pour cette manche de Sochi disputée sous le soleil avec une température ambiante de 21 degrés. On ne devrait donc pas avoir d'eau, comme on vous l'a dit, pour cette épreuve. La pôle donc pour Pierre Clossé en 2 minutes 6. 6 dixièmes derrière lui, il y avait David L'Espèce qui avait été perturbé pendant la séance qualificative. On espère qu'il pourra se reprendre pendant les 60 minutes d'épreuve. Juste derrière lui, Ludovic Ferwi, troisième devant Olivier Vignon. La deuxième voiture du team Blue Sky, pardon, la première voiture est la cinquième. Et sixième, c'est Philippe Renaud qui, bizarrement, est passé devant Logan Joyeux. Alors, Logan Joyeux qui a laissé beaucoup d'espace et qui se laisse même dépasser, assez intéressant. Peut-être un souci au moment de démarrer. Alors, 7ème, Thomas, Romain Thomas, que l'on peut également retrouver avec une BMW Z4 en GTE Series. Jean-Claude Loeticia, avec sa Porsche aux couleurs de l'équipe italienne de Toro Rosso. Thomas Laforge, l'un des premiers pilotes indépendants. Emmanuel Grossin, 10ème. Sébastien Garcia, 11ème avec sa Porsche rouge aux couleurs de Suzuki Racing, que l'on reconnaît bien. Morgane Guignon, un nouveau nom qui fait une belle entrée en matière avec un 12ème chrono. On risque de le voir animer le milieu du peloton, je pense. Patrice Van de Woe, qu'on a vu un peu tenter le top 10, mais malheureusement ce ne sera qu'une 13ème place, mais ça reste tout à fait correct. C'est quasiment la mi-peloton ici. David Delassalle, qu'on a vu quelques fois se poser contre les rails pendant la séance qualificative, mais sans gros dégâts, a pu rentrer le 14ème chrono devant Thierry Daven. Olivier Mardoc, 16ème. David Braustein est 17ème pour le Gold Coast Racing devant Thomas Pinotto, arrivé sur le tard, 18ème chrono. Xavier Evrard, 19ème. 20ème Gilles Châtelain, alors que ça vibre au niveau de la caméra, on salue les petites connexions. Jean-Claude Joly, 21ème, 22ème Florian Bayon, 23ème Pascal Cartier finalement qui a été interdit de qualification, pénalisé. Et enfin Mathieu Leclerc que l'on n'a pas vu du tout lui en qualification et qui n'a pas le bon skin puisqu'il a normalement la voiture numéro 79, partira 24ème. Les pilotes de tête des premières lignes sont en train de commencer à rejoindre la grille de départ. Et l'équipe Martini n'est plus présente en flat 6, normalement si, mais, on a perdu Arnaud Marcotte, on a perdu Simon Pirard qui ne peut pas piloter ce soir, et on a surtout perdu Anthony Yans. Donc oui, ça fait un trou de 3 pilotes au moins absents, 3 pilotes de tête de peloton, mais ne vous en faites pas, le spectacle sera bien là avec Pierre Clossé que l'on sent chaud pour aller, pourquoi pas, gagner une course supplémentaire cette année. Alors, on va
se placer du côté de la grille de départ pour tout le monde. Vous voyez qu'on est assez sage. Grand silence ici. Vous voyez des pilotes qui sont partis un petit peu dans les derniers instants et qui ont été dépassés par différentes voitures. La grille de départ se constitue. Dans quelques secondes, les dernières lignes vont stopper. On va pouvoir apprécier cela. Attention, parce que Florian Bayon là qui s'arrête et qui va laisser une voiture se placer devant lui. On attend Florian Bayon qui n'a pas réussi à se placer. Florian Bayon qui est 22e. Donc peut-être une erreur au niveau de la grille de départ pour Florian Bayon. Ça va partir dans 4 secondes. Les feux rouges s'allument quand ils s'éteignent. On roule à Sochi. Et c'est parti pour la 6e manche du championnat avec un bon départ en 2e ligne pour Ludovic Ferwi. Très mauvais départ de Pierre Clossé. Il y a des moteurs qui sont en train de fumer déjà dans la ligne droite. Trop de température. Le contact avec David Lespèce qui fait la place. Et un énorme carton dans le peloton. Plusieurs voitures appliquées. On voit Pascal Cartier derrière. On voit également Sébastien Bayon. Oh, et le premier freinage loupé de Pierre Clossé. David Lespèce reprend le commandement. Il y a des voitures dans tous les sens. Xavier Vard appliqué. Patrice Van de Woe également. Florian Bayon. David Brochstein qui a perdu beaucoup d'éléments. Mathieu Leclerc. Tous les pilotes au-delà de la 15e place sont touchés en tête. David Lespèce devant Ludovic Ferwi. Derrière Logan Joyeux qui bloque les roues. Pierre Clossé s'est complètement loupé. Attention, contact avec Logan Joyeux. Et derrière un pilote en tête à queue. Et un autre accident qui vient d'avoir lieu. Avec, évidemment, De La Salle et Guignon, malheureusement, qui avait pris un bon départ. Il y avait pilotes sur trois roues qui tentent de ramener la voiture. Lespèce, Ferwi, Joyeux, Vignon, Renault, Thomas, Grossin, Laforge, Loeticia, Mardoc, Cartier, Pinotto, De La Salle, Guignon, et on est sous régime de safety car, je pense. Oh, il faudra bien ça pour ramener les voitures blessées. David Brochstein sur trois roues. Ça va aller beaucoup moins bien. Ah oui, ça a tapé pour beaucoup. Et Thierry Daven a abandonné Xavier Evrard et Patrice Van de Woe, évidemment. Et oui, on est sous régime de safety car. Quel départ. On vous avait dit que ça allait être mouvementé. Mais là, on a eu droit à trois jolis cartons. Et donc, David Lespèce au commandement, qui a donc pris le meilleur. Et Pierre Clossé qui s'est loupé. Où est-il, Pierre Clossé? Pierre Clossé qui n'est plus dans le classement. Le voici, il est 18e, Pierre Clossé, rendez-vous compte. Eh bien, eh bien. Alors, Mathieu Leclerc va pouvoir, je pense, regagner les stands s'il est prudent, parce que sans aileron arrière, les freinages ici, ça risque d'être délicat. Florian Bayon également au ralenti. Mais alors, le pire, c'est pour David Brochstein d'aller ramener cette voiture. Thierry Daven, Evrard et Van de Woe sont à l'abandon. Alors, est-ce que ça va déjà repartir ce tour-ci pour David Lespèce? Et on reste sous régime de safety car. Oui, oh là là, alors que derrière, c'est compliqué de rester derrière le bon pilote puisque, oui, le peloton est très serré. Et bien voilà, une épreuve qui débute d'une manière un peu décevante avec les accrochages qui se sont succédés. Oh, la drapeau jaune dans le deuxième secteur. Je crains que l'un des pilotes n'ait pas réussi à rejoindre les box. Oui, voilà, c'est David Brochstein, on vous le disait. Et oui, avec trois roues et sans aileron arrière. La manœuvre est tout sauf évidente. Et on salue le courage du pilote de la Gold Coast. En tout cas, Daven abandonné, Evrard également, Van de Woe aussi. Lespèce en tête. Alors, il reste à Florian Bayon à gagner les box. Mathieu Leclerc partira aussi. Alors, la chance pour tous ces pilotes, c'est que, eh bien, il y a le régime de voiture de sécurité. Et ça va leur permettre, une fois, eh bien, les dégâts réparés, comme pour Morgan Guignon, qui faisait un beau départ 12e, eh bien, de pourquoi pas revenir au contact du peloton. Attention, drapeau jaune dans le troisième secteur, c'est toujours David Brochstein. Et on reste avec les hommes de terre et Pierre Clossé qui a récupéré la quatrième place. C'est certainement dû à une erreur, une confusion avec le déclenchement de la safety car. On avait perdu Pierre Clossé, rendez-vous compte, qui était lui 18e. Ça n'était pas normal, il n'avait pas commis d'erreur. Donc Morgan Guignon qui repart sans aileron avant. Vous le voyez, toujours compliqué pour David Brochstein de ramener la voiture blessée. Ah ben, c'était très, très
mouvementé ce départ, 5 minutes d'épreuve bientôt. On va certainement relancer à l'issue de ce deuxième tour de course. Allez, on est avec David L'Espèce. Quel départ ici à Sochi. Ça nous promet une belle bagarre, hein, sincèrement. Voilà, ça y est, 5 minutes d'épreuve. Et des victimes. Voilà, David Brochstein au box. En crabe, mais au box. Non, oh, il a même pas réussi à l'arrêter, je pense. Est-ce qu'il va tenter peut-être de se garer, mais sans pouvoir braquer dans un côté, ça va être compliqué. Alors, David L'Espèce est en tête. Est-ce que la direction de course va relancer ce tour-ci? Et non, on reste sous procédure de safety car. Troisième tour sous drapeau jaune. Et ça rentre au box pour quelques pilotes. On n'a pas vu qui c'était. On va aller voir ça tout de suite. Eh bien, Morgan Guignon qui repasse une seconde fois par les box, tout comme Sébastien Garcia. Juste derrière, tiens. Et ça, c'était pas prévu, hein, ce départ-là. Sachez que pour l'instant, ça a peu d'importance, mais le tour le plus rapide est en 2 minutes 37 par David L'Espèce. Ce qui n'a vraiment... peu d'intérêt et ça peut déjà repartir pour Sébastien Garcia. Ah non, non, je pense que Sébastien Garcia attend son spot au box. Pas sûr. À vérifier. Alors David Brochstein qui va repartir. Florian Bayon quitte les box à son tour. Et ça ressort des box avec David L'Espèce. Est-ce qu'on va repartir? Ce serait bien de réussir à relancer un petit peu cette épreuve qui pour l'instant n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu donner toute la verve qu'elle nous promettait. Reste en caméra embarquée, évidemment. Avec tout le monde. Du côté de la piste, ici, avec le peloton qui passe dans le troisième secteur. Vous voyez la grille de départ, toute la structure ici des boxes. Alors, est-ce que ça va relancer? En tout cas, ça a l'air d'être prêt. Ce serait bien que ça parte. Allez, qu'on puisse avoir au moins 50 minutes de compétition avec David L'Espèce qui, voilà, attend que le peloton se regroupe. On va visiblement relancer. Allez, après 9 minutes 30 sous régime de safety car, on va relancer la course ici. Allez, c'est parti. On roule à Sochi, visiblement. C'est reparti, voilà, sous le commandement de David L'Espèce, on roule à Sochi. Attention, c'est déjà très serré avec Pierre Clossé sur Logan Joyeux qui avait été très opportuniste en début d'épreuve. On suit ça depuis la voiture d'Olivier Vignon, cinquième juste derrière. Ça se passe bien pour tout le monde, c'était un peu large pour Ludovic Ferruy. Oh, attention à certains passages là un petit peu compliqués. Et tout le monde est passé. Oh, attention, parce que là, en fin de peloton, ça se dispute aussi avec Gilles Châtelain
Sébastien Garcia est reparti. Les autres pilotes qui n'ont pas eu le temps de rejoindre le peloton sont à leur tour repartis. Attention, parce que là, ça va peut-être passer pour Philippe Renaud. Pour la sixième place. C'est pas impossible, non. Ça paraissait un petit peu serré. En tout cas, tout le monde est reparti dans l'ordre. Oh, attention, freinage un petit peu loupé pour Logan Joyeux. Ça permet à Pierre Clausset de revenir. Derrière, ça se passe bien pour l'ensemble du peloton. On est avec Jean-Claude Laetitia. On remonte un petit peu devant parce que ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la lutte pour la tête. Drapeau jaune. Drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est allé se mettre dedans. Et c'est Jean-Claude Joly, malheureusement, qui est allé à la faute. Et Florian Bayon qui a failli également en faire de même. Oh là là, c'est très serré derrière avec la tentative à l'extérieur d'Olivier Vignon. Et il va être bien placé pour le freinage à droite. Mais va-t-il réussir à le faire, ce freinage? La fermeture de porte de Pierre Clausset. Oh, et le tête à queue récupéré in extremis par Romain Thomas. Ah oui, ça va se battre hein, ici. Avec des pilotes plus rapides. Derrière, des pilotes peut-être en perte de confiance. En tout cas, Pierre Clausset a eu un départ difficile. Avec Philippe Renaud maintenant. Alors que l'on va conclure un nouveau tour. Et que 10 minutes pleines d'épreuves ont été conclus. Attention, Olivier Vignon qui se montre très très dangereux derrière Pierre Clausset, le poleman. Et on commence à rentrer des chronos dignes. On commence à rentrer des chronos dignes de piste correcte avec David Lespèce, le plus rapide en 2.08.618. Mais l'attaque peut-être d'Olivier Vignon pour la quatrième place à l'extérieur au bout de la ligne droite. La différence au rapport de boîte et c'est fait. Mais va-t-il réussir à la freiner à temps, cette Porsche? Et c'est fait. Le dépassement pour Olivier Vignon. C'est très serré avec Gilles Châtelain, 14e, qui fait des freins à, je crois, Olivier Mardoc. Voilà pour la 13e place. Oh, il s'est un peu loupé. Avec Olivier Mardoc en caméra embarquée. Maintenant, on se bat pour la 13e position. Mais c'est un peu compliqué là. Alors, le tour le plus rapide pour David Lespèce en 2.08. Il est le seul en 2.08 avec Ludovic Ferroui. Peut-être l'attaque ici. Ça paraît bien engagé à 3. Ça va toucher. Oh, et ça va réussir à passer. Non, Olivier Mardoc qui part au contact avec Pascal Cartier. Ah, ils nous ont fait un freinage à 3 de front. Et le contact avec Pascal Cartier. Les deux voitures dans le mur. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Pascal Cartier doit être furieux de la manœuvre. Attention, est-ce qu'il l'a vu? Oui. Il a vu passer Jean-Claude Joly, mais malheureusement, là, les deux pilotes qui ont voulu jouer a montré qu'il y avait, désolé l'expression, pour l'expression, mais qu'il y avait les plus grosses. Et malheureusement, ils n'ont pas su se laisser assez de place pour s'exprimer. Et malheureusement, les deux ont payé le prix fort. Va peut-être y avoir même une intervention de la direction de course à ce niveau-là. Attention, c'est très serré avec eux. Logan Joyeux, troisième, qui va peut-être passé second au détriment de Ludovic Ferroui. Ah, et on va faire une petite coupure évidemment puisque ça va être la trêve estivale comme pour le championnat IRL et pour les championnats de sport automobile à travers le monde. On se retrouvera en septembre pour la prochaine manche, le 14 septembre exactement, et ce sera du côté de Spa-Francorchamps en Belgique. Soyez présents. Allez, Logan Joyeux, troisième, qui met de l'espace face à Pierre Clausset. Par contre, Romain Thomas lui a comblé l'espace qui le séparait de d'Olivier Vignon. L'attaque peut-être de Romain Thomas sur les freins. Olivier Vignon qui se décale aussi au dernier moment sur Pierre Clausset. Tout cela reste bien propre mais très serré. Et on va protéger directement l'intérieur du côté d'Olivier Vignon. Ça bloque fort. Hein. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Ça semble être un pilote de seconde partie de peloton. Et Florian Bayon exactement qui est allé en sortie. L'arrêt au box de Pascal Cartier. On se retrouve dans le peloton. Est-ce qu'il y a de la lutte? Non, seule la bagarre pour la quatrième place est intense pour l'instant. Au niveau des écarts, deux arrêts déjà pour Morgane Guignon. 5 tours couverts. Les meilleurs tours en 2.08 pour bon nombre des pilotes. Mais c'est toujours le leader, David Lespèce, le plus rapide en 2.08.026. Vous l'avez vu tout à l'heure inscrire le meilleur chrono. Ah oui, c'est la réaction dans le chat
effectivement, ça roule sale. Pour certains pilotes, ça a été viril mais correct. Et oui, évidemment. Alors que Pascal Gartier est toujours dans les box, tout comme Olivier Mardoc. Nouvelle charge d'Olivier Vignon sur Pierre Closset pour le gain de la quatrième place. Pierre Closset qui laisse la porte ouverte, mais qui va freiner très tard et bloquer la roue extérieure. On est avec Romain Thomas maintenant pour suivre. Regardez la différence de trajectoire entre les deux. Il faut se montrer dans les rétroviseurs pour tenter sa chance. Olivier Vignon qui essaie de couper le plus à l'intérieur possible. Et en attendant, eh bien, l'écart de David Lespès avec ses poursuivants s'accroît. Oh, attention, l'astroturf là pour Pierre Closset qui essaie de garder le rythme mais qui peut être en train de surconduire. Et attention, Philippe Renaud qui va peut-être s'attaquer à Romain Thomas pour la sixième place. Romain Thomas qui va déjà à l'intérieur protéger sa trajectoire, mais attention parce que Philippe Renaud pourrait bien recouper cette dernière. Attention, on reste également attentif à ce qui se passe devant Olivier Vignon qui va peut-être faire les freins à Pierre Closset au bout du premier freinage. Oh, Pierre Closset qui ne veut pas abdiquer, qui passe hors circuit. Et derrière, ça n'a pas bougé. Olivier Vignon reste derrière Pierre Closset, mais ça va être l'explication entre les deux. Oh, le léger push. Je ne sais pas s'il l'a senti, Pierre Closset, avec le lag. Oh, il va aller très loin pour les freins. Olivier Vignon à l'intérieur. Est-ce qu'il l'a vu? Oui. Oh, et ça se croise de manière très serrée entre les deux pilotes. Belle bagarre. Juste en second plan, vous pouvez suivre également la lutte pour la 7ème place qui oppose Philippe Renaud à Thomas Laforge. Alors que là, eh bien, il y a un kit complet arrière sur le bord de piste. Pas de quoi sortir là safety car, mais malgré tout, c'est serré alors que des pilotes prennent déjà du retard. Il y a David Lespès qui est donc en tête. Et ça se resserre un petit peu dans le milieu du peloton avec Olivier Vignon maintenant. Toujours serré face à Pierre Closset. Un léger drapeau jaune dans le premier secteur. Peut-être un pilote qui tentait de sortir. Attention, l'attaque peut-être à l'intérieur. Il est bien placé comme tout à l'heure, Olivier Vignon. Et cette fois-ci, Pierre Closset ne peut rien faire. Et non, il a réussi à prendre l'avantage juste avant la zone des freins. Et c'est parti large pour Romain Thomas. Et Philippe Renaud qui passe à l'extérieur. Attention, les deux voitures sont côte à côte dans ce troisième secteur. Et à l'intérieur, Romain Thomas pourrait peut-être récupérer la tête. Ça va croiser. Ça va de nouveau croiser. Mais Philippe Renaud doit rester derrière maintenant. On va retourner avec Pierre Closset qui vient de céder la quatrième place à Olivier Vignon pour voir si, eh bien, avec l'aspiration maintenant, il pourrait récupérer cette même position. Et un nouveau tour couvert ici du côté de Sochi. Devant, ça ne bouge pas. Oh, est-ce que... Logan Joyeux qui aurait perdu son pare-choc avant. C'est un détail qui nous aurait échappé. Alors qu'il y a déjà les premiers retardataires qui se laissent dépasser. Le peloton reste malgré tout assez compact. Il n'y a pas réellement d'autres luttes. Pierre Closset, cinquième, qui perd un peu de terrain. Philippe Renaud, septième, légèrement décroché maintenant à quelques dixièmes de Romain Thomas. Oh, et ça va se mettre bien évidemment hors circuit pour ne pas gêner ce qui crée, voilà, les drapeaux jaunes. Mais c'est les retardataires qui, après, rendez-vous compte, seulement 19 minutes d'épreuve. Et c'est quasiment 10 de ces 19 minutes qui ont été passées sous régime de safety car. Et bien les premiers retardataires sont là. Vous voyez les lumières en bord de piste qui affichent bleu. Oh, attention, parce que là, Logan Joyeux est troisième. Et là, Florian Bayon qui roule sans aileron arrière. Florian Bayon qui arrive à se qualifier pour chacune des épreuves, mais qui est malheureusement en proie à beaucoup de soucis en course. Et attention, parce que là, il y a de nouveaux drapeaux jaunes dans le premier secteur. Allez, la caméra embarquée avec Olivier Vignon qui peut dépasser Florian Bayon. Oh, et ça va être... Oh, Florian Bayon en tête à queue en plein milieu des hommes de tête. Ouf, eh bien, dites donc. Je crois qu'il y en a qui n'ont plus un poil de sec. Passez-moi l'expression, là, dans le top 5. Ça a été très serré. Florian Bayon est à l'arrêt. Est-ce qu'il va mettre un terme à son épreuve? Après bon nombre de contacts, il a été impliqué
dans les accrochages de début d'épreuve. Et tout ce petit monde est en train de se regrouper, mine de rien. Jean-Claude est ici avec qui on embarque maintenant. Le drapeau jaune dans le troisième secteur, ça a été corrigé. Et l'abandon de Pascal Cartier. Il n'y a donc plus que 20 voitures sur les 24 participants encore en épreuve pour l'instant. D'ici deux tours, on devrait retrouver David Brochstein au 19e rang. Toujours drapeau jaune dans ce troisième secteur. Est-ce que Florian Bayon ne serait pas en train de mettre un terme à sa course? En tout cas, 40 minutes au chrono. Jean-Claude Loetitia continue de tenter de remonter. Et donc devant, David L'Espèce en tête, devant Ludovic Ferhuy. Les drapeaux bleus qui vont bientôt s'agiter de tous les côtés pour le pilote de la voiture numéro 41. 49, je n'ai pas bien vu, navré. Drapeau jaune dans le premier secteur. Qui est-ce? Ça peut être un pilote de milieu de peloton. Ah oui, il y a une voiture à l'arrêt. Bah, c'est Florian Bayon qui est stoppé dans la ligne droite des stands. Alors attention, parce que ça pourrait provoquer une safety car. On va rester attentif à cela. Mais la voiture est en crabe. Donc là, il va avoir du mal de la ramener. Il faut toujours essayer, mais attention. Quelque chose a aussi cassé au moment de son tête à queue. Tout à fait possible. Allez, retour avec Jean-Claude Loetitia à la bagarre, à la poursuite pour la 9e place d'Emmanuel Grossin. Jean-Claude Loetitia qui revient tout doucement sur Emmanuel Grossin qui fait quelques petites approximations. Toujours dans ce troisième secteur. Et là, c'est au tour de Jean-Claude Loetitia d'aller titiller le bord de la piste. Ses livreurs sont très piégeux. Et devant, ça se tient à la queue leu-leu pour le top 7. Ils sont à une seconde d'écart chacun. Évidemment, avec les retardataires, ça rend la tâche un petit peu moins facile. Et Pierre Closset, donc 5e, qui se remet de son départ difficile. Et donc, David L'Espèce en tête, mais qui ne prend pas bien un immense avantage. 3 secondes maintenant sur Ludovic Ferhuy. Logan Joyeux, 3e, avec toujours ce pare-choc perdu. On ne sait pas dans quelles circonstances il l'avait perdu. Je ne pense pas qu'il était impliqué dans les... les accidents du départ. Oh, et ça remonte pour Olivier Vignon. Ça remonte même très fort pour Olivier Vignon qui va, pourquoi pas, aller chercher Logan Joyeux sur les freins. On y va peut-être. Non, ça ne passe pas. Mais attention derrière parce que Pierre Closset reste attentif à tout cela. Il y a une voiture entre les deux. Ce peut être, je crois, Sébastien Garcia. Non, peut-être Emmanuel Grossin, je ne sais pas. Allez, la 4e place d'Olivier Vignon, peut-être bientôt la 3e pour le pilote du Hot Wheels Racing. Voiture numéro 69. Du côté de la région de Lyon, notre ami Olivier, pas impossible. Alors, Logan Joyeux sous pression, plus que jamais. Oh, alors que derrière, on est allé au large pour s'écarter au drapeau bleu, j'espère. Alors que là, on ne peut pas être plus à l'aspiration, on a même été léché quasiment le rail pour Olivier Vignon. Alors que derrière également, Romain Thomas qui revient sur Pierre Closset, on va garder les deux explications quasiment dans la même image. Et Romain Thomas n'a pas encore matière à porter son attaque dans les prochaines secondes. On va rester sur Romain Thomas, plus à même de porter peut-être l'estocade à Pierre Closset qui souffre véritablement depuis l'abaissement du drapeau vert pour le départ et de l'extinction des feux. Et oui, la Porsche retardataire, la Porsche bleue de Florian Bayon qui n'était plus forcément en état de rouler, mais... la liberté de continuer tant que sa voiture le lui permet. Et Philippe Renaud, 7e. Est-ce qu'à l'aspiration, quelque chose peut se jouer? Attention, Romain Thomas qui la prend très très bien cette première courbe. Allez, on reste avec Philippe Renaud qui a vu sur les deux pilotes devant lui. Les trois hommes sont les hommes les plus proches dans ce peloton pour l'instant. On est
êtes à quasiment une seconde entre les trois voitures et non pas entre chacune d'entre elles. On a pris un petit peu de température, 22 degrés dans l'air, on était à 21 pour la séance qualificative, ça ne change pas la face du monde, mais quand même, attention, Pierre Clossé qui est allé au large et qui va peut-être céder sous la pression depuis la voiture de Philippe Renaud. Et Pierre Clossé qui ferme la porte mais qui part au large dans l'AstroTurf et qui s'est fait dépasser, il vient de céder la cinquième place à Romain Thomas. Alors est-ce que notre pilote actuellement sixième va se reprendre la grosse dérive pour l'un des pilotes devant? C'est Romain Thomas et Pierre Clossé qui cèdent une seconde place dans ce tour, le dixième de cette épreuve. Et attention parce que ça bouge beaucoup. Alors que derrière, on a Olivier Vignon. Bon, il Logan Joyeux, troisième, qui bloque tout ce qu'il peut bloquer pour rester devant. Ici, on est avec Romain Thomas. Vous avez juste derrière Philippe Renaud sous la pression de Pierre Clossé qui va tenter de récupérer, pourquoi pas, une position. On repart à la lutte aux avant-postes, troisième place pour donc Logan Joyeux. Oh, attention, c'était large là, il a perdu toute sa relance malheureusement. Olivier Vignon. Et Ludovic Ferru pour l'instant deuxième. Est-ce que derrière il y a matière à suivre une explication? Les pilotes sont séparés, Florian Bayon de nouveau passant par la voie des box. On reste un instant en compagnie du leader David Lespèce qui, après un départ tonitruant, eh bien grappille seconde après seconde un avantage certain pour la voiture numéro 51 devant Ludovic Ferru, également plutôt tranquille pour l'instant. La lutte est peut-être un peu plus présente entre eux. Olivier Vignon qui tente d'aller rechercher. Oh, Logan Joyeux. Mais par contre, derrière, Pierre Clossé est de nouveau allé à la faute. Alors, Pierre Clossé qui nous confie également que ce n'était pas le circuit qu'il connaissait le mieux, en montant par là, qu'il n'a pas pu le pratiquer aussi longtemps que ses petits camarades et que certains autres pilotes. Thomas Laforge qui remonte indéniablement sur Pierre Clossé. Quant à derrière Emmanuel Grossin, il est un peu essolé. 7 secondes derrière Laforge et 4 secondes devant Loetitia. Au niveau du meilleur tour en course, il est toujours à mettre au titre de David Lespèce en 2.08.026. 11 tours couverts pour les hommes de tête. Certains sont encore dans ce dernier. Attention peut-être au freinage. Ou alors que devant, la lutte se poursuit. On va rester ici parce qu'il y avait une explication, mais on n'oublie pas que devant ça bouge aussi avec Romain Thomas. Alors Logan Joyeux qui doit faire avec un pare-choc manco et ça va passer pour Thomas Laforge à l'intérieur. Oh, et ça a refermé à la limite. Où est-ce qu'il peut mieux réaccélérer? Non, malheureusement. Et ça va boxer. On rentre au box pour Pierre Clossé. Alors peut-être avait-il un plat. C'est aussi une solution, une possibilité, pardon. La lutte pour la troisième place avec Olivier Vignon derrière Logan Joyeux. Logan Joyeux troisième avec une voiture sans pare-choc avant, on le rappelle. Et il va terriblement protéger à l'intérieur. Oh, le petit coup de lag, ça s'était offert par la maison. Oh, et Pierre Clossé qui a abandonné. L'abandon de Pierre Clossé. Le poleman, Pierre Clossé qui met un terme à son épreuve. Que s'est-il passé visiblement? Eh bien, trop de soucis techniques sur cette Porsche. Peut-être trop de plat, je ne sais pas. Enfin, il aurait pu peut-être tenter de changer les pneus. En tout cas, c'est un revirement de situation auquel on ne s'attendait pas au moment du départ de cette épreuve. Pierre Clossé, poleman pour 6 dixièmes qui se met à l'arrêt après même pas 30 minutes d'épreuve. Oh là, c'est sorti large derrière pour Thomas Laforge qui s'est un peu fait peur. Et tout le monde gagne une position par la force des choses. Ce qui nous fait bien entrer dans le top 10 Thomas Pinotto du GW Motorsport. Alors que derrière, on est avec Philippe Renaud. Oh, il a failli avoir contact avec Romain Thomas. Allez, tant qu'on y est, passons sur l'AstroTurf. C'est aussi compris dans le prix.
répartir la balance des freins sur cette Porsche avec quelques difficultés techniques. Et la relance pour Philippe Renaud, moins bonne que sur l'adversaire Romain Thomas. En tout cas, pour ce qui est devant la lutte, eh bien, ça se resserre pour les 2, 3 et 4e place. Et regardez, ça commence à bien bloquer les pneus avant. Et la lutte derrière avec ici, voilà, Olivier Vignon que l'on suit. Ils sont là. Et dans la ligne droite des stands d'ici quelques instants. Allez, Olivier Vignon qui remonte petit à petit. Donc David Lespèce, toujours solide en tête. Devant Ludovic Ferruy. Mais derrière, ça se resserre entre les 4 premiers. Il y a un petit espace et on retrouve ensuite une belle lutte entre eux. Philippe Renaud qui chasse Romain Thomas. Allez, on va suivre ça dans la ligne droite des stands. On va garder également les hommes de tête à l'œil avec l'aspiration qui ne jouera pas là un rôle. Peut-être ici se rapprocher pour Philippe Renaud, mais pas encore de quoi porter l'attaque. Les 30 minutes signe demi-course sont passées. Nous entrons donc dans la deuxième moitié de cette épreuve russe de Flat 6 Porsche Super Cup ici, organisée par la FFSCA. Vous pouvez retrouver l'ensemble des coordonnées pour vous inscrire à ce championnat comme à bien d'autres dans la description. Allez, on revient du côté du peloton. Et c'est serré. Allez, on va prendre l'homme sandwich. Pour l'instant, le gagne joyeux, troisième. Et Ludovic Ferruy qui également perd un peu de temps. Laissant ainsi eh bien, ses deux adversaires directs revenir dixième après et dixième sur lui. Logan Joyeux, voiture numéro 12, sans pare-choc avant à l'image, juste devant. C'est Logan Joyeux et juste derrière, c'est Romain Thomas. C'est Olivier Vignon, pardon. Romain Thomas est décroché à 4 secondes, mais il est en lutte avec Philippe Renaud. Alors, les deux roues réglementaires, on va dire, dans l'AstroTurf. Quel bruit ces Porsche, en tout cas, un vrai plaisir, ce Flat 6. On espère que vous serez des nôtres pour la prochaine manche, ça sera du côté de Spa-Francorchamps au mois de septembre, très festival pour le championnat comme pour les autres compétitions IRL de sport mécanique, alors que là, ils vont finir par être collés tous ensemble. On va embarquer à la poursuite avec Olivier Vignon, de Logan Joyeux et de Ludovic Ferruy pour le gain de la 2, 3 et 4e place. Attention peut-être à l'attaque de Logan Joyeux à l'extérieur. Et ça passe sur Ludovic Ferruy. Oh, est-ce que Olivier Vignon va pas faire l'opportuniste et prendre la troisième place à l'intérieur et faire perdre ainsi à Ludovic Ferruy deux positions. Ils sont côte à côte. Et Ferruy quatrième en deux virages. Attention parce que celui qui risque de tirer les marrons du feu, c'est peut-être Olivier Vignon. Oh là là, ça pousse, ça freine en s'appuyant sur la voiture de devant. Olivier Vignon... très chaud, pourquoi pas prendre la deuxième place. Et tout cela profite évidemment à David Lespèce qui peut petit à petit s'enfuir au fur et à mesure des tours. Le 14e en l'occurrence. Pour l'instant, les arrêts au stand prévus, pas à ma connaissance. Alors ces trois-là sont vraiment un mouchoir de poche. Olivier Vignon qui va peut-être croiser. Non, on va suivre ça avec Ludovic Ferruy. Donc, passer de 2 à 4e ce tour-ci. L'attaque à l'intérieur, non, ça reste de l'intimidation pour l'instant. Mais attention parce que derrière, si approximation il y a de la part d'Olivier Vignon, c'est Ludovic Ferruy qui va montrer, sortir les dents, montrer les crocs.
peut-être très large ici. Allez, Olivier Vignon. Avec Lugan Joyeux qui défend. Premier changement de ligne, deuxième changement de ligne. On ne peut plus changer normalement. Alors que Pierre vient de faire son entrée sur le chat. Visiblement très déçu et on peut le comprendre tout à fait après visiblement un nouveau bug du jeu. Alors que Logan Joyeux défend, pourquoi pas, chèrement sa peau. Attention derrière, le petit push pour Olivier Vignon. Voilà visiblement du jeu pour... Pierre Cossé, l'attaque d'Olivier Vignon à la relance. Oh, alors que derrière, ça s'est fait très peur pour Ludovic Ferruy. Et donc, Logan Joyeux, troisième. L'absence de pare-choc avant qui aura finalement été un problème. 8 secondes derrière David Lespèce qui continue. Oh, est-ce qu'on a failli toucher là pour Logan Joyeux? Également très serré derrière avec 7 dixièmes entre Romain Thomas et Philippe Renaud. Drapeau jaune dans le premier secteur. Mathieu Leclerc est parti à la faute. Alors là, c'est un endroit bien original pour sortir. C'est dans le premier virage. Comment a-t-il pu aller percuter le mur à cet endroit-là? Sans doute un souci technique pour lui alors qu'il était 15e. Et je crois même qu'il va la stopper, cette course. Attention, il y a des débris dans la ligne droite et ça vient d'enlever un pare-choc. Et malheureusement, ça commence à être la fin, je pense, pour lui. D'accord, donc visiblement, une voiture s'est téléportée sur Pierre Clossé, qui a précipité son abandon. Et on le déplore malheureusement. Alors David Lespèce qui perd un petit peu d'avance. Derrière ça reste le groupe de chasse avec donc Olivier Vignon, Logan Joyeux, Ludovic Ferruy, Romain Thomas et Philippe Renaud. Ensuite Thomas Laforge dans un no man's land depuis le début de cette épreuve. Emmanuel Grossin 8e, Jean-Claude Leticia 9e et enfin Thomas Pinotto 10e. David Delassalle 11e, 12e. Guignon Garcia, 13e. Oh, et on est allé à la faute, là, pour David Brochstein. Je n'avais pas reconnu la livrée. Et Florian Bayon qui continue pour l'instant 20e. Il y a des tours à rattraper pour le pilote. On embarque avec Philippe Renaud, 6e de cette épreuve ici pour l'instant. Se rapproche pour Romain Thomas, voiture numéro 42, c'est marqué dessus. On lutte pour un pied de podium, pardon. L'aspiration pour Romain Thomas. Peut-être apte à porter une attaque si ça ne ferme pas la porte pour Ludovic Ferruy, ce qui est le cas puisque le prochain virage est à droite. Oh, le contact entre les deux voitures et ça va pas freiner à temps là pour Romain Thomas, il va aller au large. Il arrive à éviter le rail. Est-ce que par contre derrière ça peut repasser pour Ludovic Ferruy? C'est avec Philippe Renaud, 6e. Il assiste à ça en spectateur privilégié. À 21 minutes de l'abaissement du drapeau à damier. Bien malin qui pourra nous donner le top 3 de cette épreuve. Alors pour la victoire, ça commence à se dessiner tout doucement pour David Lespèce, mais rien n'est gagné alors que le peloton se resserre à certains endroits. Et on est 3 dixièmes entre Ludovic Ferruy et Philippe Renaud. Au passage du transpondeur, c'est très serré entre les deux hommes. Allez, sur le capot de Philippe Renaud pour vivre la lutte au cœur de la 5e place. Le freinage peut-être pour Philippe Renaud. Est un petit peu loin pour tenter sa chance, profiter un petit peu du son de cette Porsche Cup. On va aller voir du côté, voilà, de Ludovic Ferruy, 5e, qui défend sa position.
qu'à de passer le cap des deux tiers de cette épreuve. Et vous l'avez vu, ça a été compliqué pour Philippe Renaud qui est allé un petit peu à la faute. Attention, drapeau jaune dans le troisième secteur, c'est là où sont les leaders. De qui s'agit-il ? En tout cas, c'est reparti. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme pour l'instant. Vie d'espèce qui garde la tête, même si on a baissé un petit peu le rythme. Olivier Vignon, second. Et troisième, Logan Joyeux. Ça n'a pas bougé. Romain Thomas. Ludovic Ferouy. Oui, oh, attention, parce que Philippe Renaud, j'ai l'impression qu'il est en train d'un petit peu, peut-être surpiloter, en tout cas s'énerver, ne voyant que ses efforts ne payent pas pour l'instant. En tout cas, pas autant qu'il voudrait. Ça reste une très belle sixième place pour le classement général. David Lespèce en tête donc devant Olivier Vignon. Et Logan Joyeux, ça ne bouge pas. Et Ludovic Ferouy, cinquième, qui reste le pilote le plus proche de celui qu'il souhaite dépasser. On est ici pour la quatrième place avec Romain Thomas. Pour l'instant, quatrième, et Philippe Renaud, sixième. D'ailleurs, vous le voyez, plus de réelle bagarre. Jean-Claude Joly qui s'écarte sous la réglementation du drapeau bleu. Arrêt au stand pour Gilles Châtelain. Est-ce un arrêt volontaire ou dépendant d'une potentielle défaillance mécanique? Et donc la lutte pour l'instant reste avec les 3 et 4e pilotes de cette grille. Le peloton qui reste bien séparé. Oh, et Romain Thomas qui, voilà, a rebondi sur les gendarmes couchés, ces boudins que l'on trouve à l'intérieur des vibreurs. Oh, ça a freiné tard pour Logan Joyeux sur le vibreur. Attention, Romain Thomas qui veille au grain. Il ne laissera pas une seule tentative passer. Oh, attention, parce que ça commence à survirer beaucoup là pour Logan Joyeux. Elle glisse cette Porsche. David Lespèce au commandement, Olivier Vignon second. Et Logan Joyeux qui semble vraiment éprouver de gros soucis à tenir sa voiture en virage mi-vitesse. Peut-être eh bien les gommes qui sont en train de s'en aller avec le manque d'appui dû à la perte de son capot avant. Le pare-choc avant, pardon. Bref, là, le drapeau jaune dans le second secteur, on a eu le temps d'un clignement d'œil pour l'apercevoir. J'espère que ça ne va pas perturber la tête de course. Bon, c'est revenu à la normale. Il y a encore 13 pilotes dans le tour du leader. Alors on est à un peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette épreuve russe du championnat de Porsche Super Cup. L'attaque de Romain Thomas. Oh, c'est un peu présomptueux là, les deux pilotes qui vont se toucher. Et ça envoie Logan Joyeux à l'extérieur, très proche de nouveau du rail. Alors je ne sais pas si ce dépassement est tout à fait legit, en tout cas il était assez musclé. Attention, parce que Ludovic Ferouy revient derrière. Et Romain Thomas qui a bloqué un petit peu les roues. Et bonsoir aux arrivants sur le chat, si vous passez par là, merci de venir nous rejoindre pour vivre le dernier quart d'heure de compétition ici en direct avec, oh, le gros blocage de roue pour un retardataire. Et oui, Romain Thomas, il n'en faut pas plus pour être déconcentré. Et regardez, c'est ça qu'on vous explique, c'est que lorsqu'un pilote est à la chasse, il copie exactement la trajectoire du pilote qu'il chasse, justement pour essayer de gagner le moindre dixième en étant un peu plus à l'intérieur, mieux relancé, etc., 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 etc. Le problème, c'est que si le pilote que vous suivez, votre lièvre, commet une faute, bien généralement, vous partez avec lui. Alors, Logan Joyeux, attention, parce que là, il y a drapeau bleu, et ça ne s'écarte pas bien, malheureusement. Ça ne s'est pas bien écarté pour le pilote en retard. Je crois que ce devait être peut-être Jean-Claude Joly avec un tour de retard. C'était lui le dernier dans le coup, avec, oui, des changements de cap assez hasardeux. Mais on dirait que Logan Joyeux, avec de l'appui un petit peu manquant à l'avant, s'en sort mieux une fois qu'une voiture devant lui le protège. Oui, c'est pas la folie quand même. Au niveau des trajectoires, ça reste
un petit peu délicat. On conclut un nouveau tour à la lutte. On va rester sur un plan global de la lutte de ces garçons. Vous le voyez, avec donc les 3, 4, 5, 6 et 7e dans la même image. Même le 8e au fond qui doit pointer le bout de son nez. Et on va voir si le gars de Joyeux peut porter la revanche ou pas. Dans la grande courbe à gauche ici à Sochi. Logan Joyeux sous la pression, peut-être pour que Philippe Renaud lui récupère la troisième place. Et oui, évidemment. Oh, et c'est allé à la dérive pour Romain Thomas. Oui, Olivier Vigneault est en tête. Que s'est-il passé? David L'Espèce qui aurait abandonné? Abandon de David L'Espèce. Que s'est-il passé? Alors qu'il était en tête, David L'Espèce qui abandonne. Ouh, alors là, ça va faire du bruit, ça. Olivier Vigneault en tête, devant Romain Thomas et Logan Joyeux. Rendez-vous compte, on a les trois premiers quasiment. Avec une bonne caméra, ça ira mieux, voilà. 2, 3, 4 et 5 dans la même image. Bon, je vous ai dit que le podium allait être indécis à 13 minutes de la fin de l'épreuve. Le premier pilote est out. Que s'est-il passé pour David L'Espèce? Alors qu'il y a une erreur, ça y est. Et Logan Joyeux peut reprendre peut-être l'avantage à l'extérieur. Philippe Renaud qui est là. Et le contact entre Logan Joyeux et Romain Thomas. Oh, ça se joue. Ça commence à pousser des coudes. Là, quand ça commence à jouer à ce petit jeu, généralement, il n'y a pas de gagnant. Mais ça reste pour l'instant correct. Ça ne va pas outre mesure. Mais on est à la limite de la correctionnelle. Ça va au large de nouveau pour Ludovic Ferruy, 5e. Ils sont là, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, avec une avance de 5 secondes, Olivier Vigneault est en tête. Incroyable, là, il se suit vraiment à l'aspiration. Le seul qui pourrait porter une attaque, peut-être, ce serait Logan Joyeux qui va tenter l'extérieur. Oh, que c'était présomptueux de la part de Logan Joyeux qui tient vraiment à faire le coup au championnat. Allez, avec Philippe Renaud maintenant, caméra embarquée. Et oh, il y a un rapport de boîte un petit peu raté, je pense, là, pour Philippe Renaud. Elle était difficile à engager, celle-là. Jean-Claude Joly qui prend la 13e place à l'extérieur. Philippe Renaud qui va peut-être faire les freins. Et non, ça n'est pas passé. Allez, avec Logan Joly en caméra embarquée, 3e. La petite bosse ici qu'on ne voit pas forcément en caméra télé. Et oui, Logan Joyeux qui est chaud comme la braise, comme on nous le dit sur le chat. Ah, des très jolis émoticônes devant certains des viewers sur le chat, je ne connais pas, plutôt sympa. Alors, revenons à ce qui nous intéresse un petit peu plus, si vous le permettez. La lutte pour le podium avec Logan Joyeux, 3e, sous la pression de Philippe Renaud. Oh, attention! Ah, la relance, ça va passer pour Philippe Renaud. Oh, ça va passer, il est du bon côté. Par contre, Logan Joyeux, il va peut-être savoir se défendre. Oh, il y a beaucoup de changements de ligne, là, c'est assez c'est compliqué à suivre. Alors, Ludovic Ferruy, 5e, qui assiste. Oh, ça bloque pour tout le monde, là. Là, je pense que les pneus, à la fin, ils vont être carrés, hein, sincèrement. Et David L'Espèce, il vient de quitter. Visiblement, le TeamSpeak. Peut-être après explication donnée auprès de la direction de course. Alors, Romain Thomas, Philippe Renaud, Logan Joyeux, Ludovic Ferruy. 4 pilotes pour 2 places sur le podium. Il va falloir se décider, messieurs. Et pour cela, vous avez encore 10 minutes de compétition ici à Sochi. Techniquement, la 7e manche, mais la 6e de ce championnat après la Hongrie et l'annulation de Monaco. La prochaine épreuve, ce sera mois de septembre du côté de Spa-Francorchamps. Mais quelle surprise, l'abandon de David L'Espèce, incroyable. Et sans valeur pour nous, sans raison apparente. Et Gilles Châtelain qui prend la 15e place à David L'Espèce, mais c'est normal, étant stoppé, David L'Espèce perd des tours.
et les pitons de retardataires remontent ceux qu'ils ont perdu. Ils sont 12 dans le tour du leader, Olivier Vignon. On pourra suivre mercredi prochain en GTE Series. Red Sport, je pense, la semaine prochaine entre ça et le week-end du Mans. Il va y avoir des choses à faire. Oh, la relance là sur l'AstroTurf a été compliquée pour Romain Thomas. Sous la pression de Philippe Renaud. Qui va peut-être aller porter une attaque à l'extérieur. Et non, au niveau des freins, ça ne peut pas passer. Ah, quoique, peut-être, ici, il arrive à bien recroiser. Non, pas assez de différence entre eux. Et ces quatre-là ne se lâchent vraiment pas depuis tout à l'heure. Ah, Philippe Renaud peut-être. Ah, Philippe Renaud qui est bien placé pour les freins. À l'intérieur, et le contact entre les deux voitures et le tête-à-queue de Philippe Renaud. Drapeau jaune dans le troisième secteur et un pare-choc. Ah, c'est dommage. C'est véritablement dommage. Attention, parce que là, il y avait Thomas Laforge qui passait par là. Et bien, le premier des quatre mousquetaires à avoir lâché, c'est Philippe Renaud. Ah, et bien voilà, David L'Espèce qui nous confirme que c'était bien sa connexion 4G. Alors, c'était ça qu'on voulait vous dire. C'est que... suite à une erreur de son fournisseur internet, on a coupé la ligne internet de notre ami David L'Espèce et il était pour l'instant en compagnie de son téléphone qui lui offrait une connexion 4G, mais malheureusement ça n'a pas tenu. Et là, ce qui ne tient pas peut-être, c'est Logan Joyeux. Là, il va freiner beaucoup trop tard, là ça n'ira jamais. Là, il a freiné au panneau trop tard, comme on dit. Attention, parce que c'est même Ludovic Ferri qui va peut-être en profiter assez serré là. La voiture numéro 12 de Logan Joyeux qui se bat pourtant toujours sans pare-choc avant. Attention, oh là là là! Croiser les trajectoires, là c'était très présomptueux pour Ludovic Ferroux, il fallait pour y aller, et il en a eu. Ah oui, on salue Bouygues Télécom évidemment, qui sponsorise bientôt notre ami David, qui pourrait nous faire un beau skin aux couleurs de cet opérateur bien connu. Alors, et bien du coup voilà, Olivier Vignon au commandement avec 7 secondes, comme tout à l'heure, c'était le cas pour David L'Espèce. Thomas 2ème, Ludovic Ferru 3ème et Logan Joyeux 4ème. Est-ce que Ludovic Ferru peut aller chercher une seconde place sur ce podium? C'est pas impossible. Derrière, il n'y a plus véritablement de lutte. Tout le monde tente de maintenant rallier l'arrivée entre les abandons et les soucis techniques. Seule la, allez, on va dire la 2 et 3ème place est indécise avec voilà, Ludovic Ferru qui revient peut-être à l'assaut sur Romain Thomas. Et pour cela, il va lui rester moins de 7 minutes ici à Sochi. Les blocages de roues intempestifs, on commence à s'y habituer dans ce troisième secteur le plus sinueux de cette piste russe de Sochi, l'autodrome de Sochi, ou on dit en italien l'autodrome de Sochi. Tant qu'à faire, allez, pour un live qui n'était pas prévu, vous êtes quand même quelques-uns à nous avoir rejoints ce soir et on vous en remercie. Pour y retrouver la VOD complète sur YouTube, si vous voulez revivre cette manche à partir d'après-demain. Ce sera vendredi. Et oui, la déconnexion, un souci que ne peuvent pas vivre les pilotes IRL. Toujours avec Ludovic Ferru à la lutte. 5 minutes 55 au chrono officiel de l'épreuve. Va-t-on assister à un retournement de situation pour la deuxième place ou est-ce que... alors, Romain Thomas semble bien installé. Un drapeau jaune dans le troisième secteur. Ah bah oui, pour cause, Gilles Châtelain. Curieuse manière de partir en tête à queue à ce niveau-là du virage. Ah ben là, voilà l'explication. Il y a un moteur qui est en train de rendre l'âme sur cette voiture. Bon, ça semble mieux. Peut-être une surchauffe. Hein, ça va très vite parfois. Une surchauffe pour le pilote de la voiture numéro 77. Ça n'est pas à exclure. Allez, moins de 5 minutes au chrono. Navré pour cette petite incartade de
visuel. Oh, attention, Romain Thomas qui est allé perdre du temps, là. Et le Victor Hugo qui va tout donner dans ses trois derniers tours. Fallait chercher une deuxième place. Oh, et ça bloque quasiment à l'intérieur et à l'extérieur, là, pour tout le monde. Oui, Ludovic Ferwi qui va tenter de croiser. Et oui, on calcule bien son coup ici. Attention, de nouveau peut-être la porte refermée. On n'hésite pas à fermer hein, du côté de Romain Thomas. Voilà, on va mettre la bonne caméra. Ludovic Ferwi, troisième. Et Logan Joyeux, quatrième. Oh, est-ce que pour Logan Joyeux, ça peut passer devant? Ludovic Ferwi ne peut pas attaquer. Par contre, Logan Joyeux derrière peut profiter de l'aspiration pour combler son déficit aérodynamique dû à la perte de son aileron avant. Sa lame avant, pardon, je vais y arriver. Et voilà la preuve. Logan Joyeux à l'extérieur. Oh, c'est pas une mauvaise idée ça. Ça semble passer. Ouais, mais sur les freins, malheureusement, le manque d'appui à l'avant qui va faire la différence. Et le beau freinage de Ludovic Ferwi pour garder la tête. Mais Logan Joyeux n'a pas dit son dernier mot. Ah, malheureusement, le petit coup de frein pour éviter le contact. Et 3 minutes 20 au chrono. Oui, ça bloque encore. Ça reste bien indécis, hein, ce podium. Qui sera sur la troisième marche? Ludovic Ferwi ou Logan Joyeux? Logan Joyeux qui était de nouveau proche de son adversaire. Allez, on repart avec Logan. Oh, et le freinage. Ah, peut-être trop de frein là sur le vibreur. Malheureusement. Et oui, la fatigue, il commence aussi à gagner les bras. Hein. On roule depuis plus de 2 heures ici. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que depuis 20 heures, le serveur est ouvert pour des séances d'essai pré-course. Et qu'évidemment, les séances d'essai libres qui sont non diffusées mais présentes, eh bien, ça fait les bras. Drapeau jaune dans le premier secteur. Morgane Guignon qui se laisse dépasser et qui prend un tour de retard. Alors attention à Logan Joyeux qui n'est pas si à l'aise que ça sur les freinages. Mais ils sont tous là au bout de leur gomme. Oh, il n'y a pas la place. Oh, et le contact malheureusement et le tête à queue pour Logan Joyeux. Et est-ce que Thomas Laforge va passer? Normalement, oui, il a la vitesse pour aller porter l'attaque à l'intérieur. Thomas Laforge, est-ce qu'il va oser y aller face à Logan Joyeux? Le contact entre les deux voitures et Thomas Laforge qui s'empare de la quatrième place. Il ne reste que 2 petites minutes dans cette épreuve et le podium semble maintenant connu. Alors que Logan Joyeux pouvait y monter, il est maintenant relégué au 5e rang. 1 minute 50, ce qui signifie que c'est le dernier tour que vient d'entamer Olivier Vignon, d'attaquer on va dire comme ça. Olivier Vignon, deuxième Romain Thomas. Et pour l'instant la troisième place pour Ludovic Ferwi. Elle semble maintenant bien acquise. Par contre, derrière, oui, Thomas Laforge et Logan Joyeux, ça semble pas terminer cette explication. On va rester avec Logan, qui nous aura décidément bien animé à la fin de l'épreuve. Pour l'instant, Vignon est au commandement devant Romain Thomas. Est-ce que Logan peut récupérer un pied de podium? Ce serait une belle récompense. Et Ludovic Ferwi, pour l'instant, troisième devant donc Thomas Laforge qui aura réussi à résister. Mais pour combien de temps? On va voir ça bientôt. Le troisième et dernier secteur pour le leader Olivier Vignon. Meilleur chrono personnel de 08-078 et meilleur chrono absolu de 08-026. Record du tour en course après une course bien indécise qui aura vu pas mal de soucis techniques et pas mal de soucis de connexion pour bon nombre des favoris. Après Pierre Closset, David Lespèce, eh bien c'est Olivier Vignon alors que là il y a un pilote qui est parti. Ah, c'est Florent Bayon qui est parti au large et Thomas Laforge aussi alors qu'il est troisième. Attention, Thomas Laforge qui doit résister. Oh, et le mur pour Ludovic Ferwi, que c'est dommage. Ah, Ludovic Ferwi qui doit abandonner dans le dernier tour, malheureusement, laissant ainsi
Emmanuel Grossin s'emparer de la 6e position et victoire pour Olivier Vignon. Victoire pour le pilote du Hot Wheels Racing, je crois que c'est la première pour lui. Et c'est donc gagné, 2e place pour Romain Thomas. C'est fait. Et la place de 3e reviendra à Thomas Laforge devant Logan Joyeux. Et Philippe Renaud termine 5e devant Emmanuel Grossin. Jean-Claude Loetitia, 7e devant, je pense, Thomas Pinotto du GW Motorsport, que je reconnais à sa livrée jaune et noire. Rappelant les livrées de la Porsche Cup de la Deutsche Post, rappelez-vous. Allez, Thomas Pinotto, 8e. On va rester avec David Delassalle, 9e. Ils sont fatigués, ces garçons. Faut se rendre compte que c'est pas simple à piloter. En tout cas, belle victoire d'Olivier Vignon. Celle-là, elle vaut cher. Avec eh bien, le retrait d'Anthony Hans, c'est le doute pour Pierre Closset. Voilà, c'est terminé pour David Delassalle. Ludovic Ferrui sera au box. Ludovic Ferrui sera peut-être même classé. Oh là, Sébastien Garcia, qu'est-ce qu'il a eu là? Est-ce que c'est un moteur? Non, c'est un blocage de roue. Même si la fumée venait d'un endroit assez particulier sous sa voiture. Et restez avec nous, puisque d'ici quelques instants, ce sera l'interview du podium. Les trois premiers vont venir s'exprimer. On retrouvera Olivier, Romain et Ludovic d'ici quelques instants dans notre cabine. On attend l'arrivée de Sébastien Garcia qui sera donc 10e après la déconnexion de Ludovic Ferrui et l'abandon. Il est allé percuter le tunnel dans le dernier tour. Voilà, c'est fait. Et il reste Olivier Mardoc qui vient de passer également le transpondeur. Jean-Claude Joly, 13e, 14e. Guignon, 15e, Brochstein et Gilles Châtelain, 16e, Florian Bayon finalement, 17e et ensuite la liste des pilotes ayant abandonné. Voilà, c'est ici que s'achève la course. On va passer maintenant du côté eh bien, de notre régie pour redécouvrir un petit peu l'ensemble des pilotes. On va laisser le temps eh bien, évidemment au vainqueur de revenir récupérer leur bolide. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve d'ici quelques instants pour l'interview du podium. De retour en compagnie de deux des trois pilotes qui ont gagné le droit de monter sur le podium. Je cherche Ludovic, mais je ne le trouve pas. Bonsoir, salut tout le monde. Ce qui est assez dérangeant. Ludovic est fermé.
Sautu chez les spirites. Alors. Où en est-on ? Alors, je n'arrive pas à le trouver, c'est assez bizarre. Où est-il ? Il est juste au-dessus avec Anthony et Benoît. Ah, bah bravo. Monsieur Ferouy, bonsoir. Bonsoir. Je ne parvenais pas à vous trouver, navré. Pardon ? Je ne parvenais pas à te trouver. Je cherchais en bas et tu étais en haut. C'est heureusement, ça. Vous êtes maintenant tous là. Bonsoir, messieurs. Bienvenue pour l'interview post-course. Bonsoir. Alors, on va procéder comme on le fait à l'habitude, c'est-à-dire dans l'ordre inverse, le troisième, le second et ensuite le premier. Donc, Ludovic, tu termines troisième. Non. Non, pas du tout. Est-ce que tu as une erreur sur mon classement ? Oui, ouais, t'as abandonné dans le dernier tour, navré. Ouais, panne d'essence. Panne d'essence, et ce qui a fait que t'es allé taper dans le mur, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord, merci. Et qui est troisième du coup ? Parce que moi, le classement, il est pas bon alors. C'est Logan alors. C'est Logan, effectivement. Bah, merci en tout cas, Ludovic, pour, de rien. Pour la venue. Je te remets dans le bon pot. Merci. De rien. Écoutez, on est fatigué, hein. C'est la fin de journée. Voilà, on l'a trouvé. Logan, bonsoir. Bonsoir. Voilà, et excuse-moi, je t'avais bouté hors du podium au détriment d'un quelqu'un qui avait ta place, mais qui l'a perdu dans le dernier tour. Donc, désolé pour cette petite erreur. Mais il y a encore une erreur, Maxou, c'est pas moi troisième, c'est Thierry Laforge. Mais que se passe-t-il dans ce classement ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bon ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier tour ? On va savoir. D'accord, bah écoute, on va aller chercher... Je crois qu'on va faire un pot commun, on va faire... on va aller chercher Thomas, alors. Là, Thomas ? Oui ? Est-ce que t'es troisième ? Oui. Yes ! Enfin ! On y est arrivé. Bah écoute, Logan, merci pour ta venue, et merci, bravo encore pour pour tout. De rien. On va te laisser te reswitcher. C'est bon, on a le podium, on va enfin pouvoir y aller. Enfin, tu peux rester écouter, hein, la salle de presse est grande, c'est sans souci. Donc, du coup, nous avons enfin le podium. Troisième, Thomas. Deuxième, Romain. Et le vainqueur, Olivier. Est-ce que j'ai bon ? Ça doit être. C'est bon. Voilà. Bah, vous êtes tous contents, donc on va dire que c'est ça. Peu importe. on vérifiera après. Vous aurez les résultats sur le site et tout. Vous inquiétez pas. Donc on va parler à Thomas qui termine donc troisième. Donc si je ne dis pas de bêtises, tu récupères une troisième place après voilà les derniers instants qui ont été compliqués. Comment tu as vécu toi cette course de Sochi avec pas mal de rebondissements, des abandons et des dépassements ? Ben je pense. Que c'est la course la plus ennuyante au monde. Je dois partir huitième. Je reste huitième. Au bout d'un moment, il y a le septième qui se crache, le sixième, le cinquième, le quatrième et le troisième. Et du coup, je passe à la troisième place à l'avant-dernier tour. Ah oui, c'est vrai que ça a été du tout juste hein, pour récupérer ce podium. Mais félicitations, fallait quand même être là. Fallait être le premier à suivre tous ceux qui se mettaient dedans. Hein. Ouais, bah, je tournais dans les temps, je gagnais 5 dixièmes, je perdais 5 dixièmes, donc j'étais vraiment dans les temps de devant, et puis je suis resté à 4 secondes pendant toute la course, et jusqu'à la fin, où je pense que c'était à celui qui faisait pas de faute, et voilà, bien content en tout cas. Bah oui, en tout cas, tu as le droit d'être content, un podium, ça se prend. Alors on a appris deux choses que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est que a priori, il y aurait arrêt du championnat mentionné par Pierre Clossé, qui est pourtant leader, donc ça pourrait une nouvelle fois redistribuer les cartes au championnat. Donc on espère, Thomas, te retrouver, pourquoi pas, dès Spa-Francorchamps sur le podium. Qu'est-ce que tu penses un peu de Spa ? Tu peux nous en dire rapidement un mot ? Ben, Spa, pour y avoir été, puis pour avoir vu 2-3 vidéos de toi quand t'étais au WEC, c'est un circuit que j'adore avoir. Après, à conduire, c'est un circuit super compliqué. Mm-hmm. Donc à voir, mais bon, c'est un circuit plaisant, quoi. Mm. Donc j'ai hâte. Ben, en tout cas, nous aussi, merci. Thomas, merci pour tes quelques mots. On va passer donc à Romain, qui termine second. Romain, qu'on a l'habitude, je crois, de retrouver avec une Z4 en GTE, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, et qu'on retrouve ici donc avec une Porsche comme ses petits camarades, mais il l'a bien mené jusqu'à la deuxième place, mais celle-là, elle n'était pas gagnée parce que vous vous êtes battu à 4, puis à 3, puis de nouveau à 4, puis de nouveau à 3, enfin bref, ça a été la foire d'empoigne et tu es sorti vainqueur de cette lutte après que voilà Olivier était avec vous, puis il est parti et puis voilà, il a pris quelques, je crois, 8 secondes d'avance. Raconte-nous cette bagarre dont tu as été l'un des auteurs coupables pendant cette course.
Premièrement, je me suis battu avec moi-même parce que j'ai une grippe depuis lundi. Je suis vraiment. Je crois que je dois être à 39,5 de fièvre là. Et Dieu merci, ça ne passe pas par micro. Ouais, bah tant mieux. Ouais, à mon avis, j'ai dû perdre 3 kilos. Je suis complètement en nage. Ça me prévient. Enfin bref. Mais et respect en tout cas pour la performance parce que piloter en état grippal. Ouais, c'est vraiment pas évident. Surtout, il n'y avait aucune condition réunie pour que tout se passe bien. J'ai un tout nouveau volant que j'ai à peine eu le temps de tester. J'ai pas eu beaucoup d'entraînement sur ce circuit. Mm-hmm. Ah, c'est vraiment. Je m'attendais pas du tout à un podium aujourd'hui. Mais en tout cas, il est là. Mais tu t'es vu rapidement adapté à ce volant qui est un quoi sans être. Alors, c'est un T300 RS, la version Alcantara. Ok, bienvenue au club. Que je conseille à beaucoup de monde parce que c'est vraiment une tuerie. Je conseille aussi au passage. Acheter Trustmaster, j'ai des actions, c'est génial. Non, pas du tout. Mais, non, mais sincèrement, c'est vrai que c'est un bon choix. En tout cas, il t'a porté chance, ce volant. Je pense que tu vas le réutiliser dès la prochaine manche à Spa. En tout cas, une belle bagarre. On a vu sur la fin beaucoup de pilotes commettre des erreurs dues, j'imagine, d'abord à la fatigue. Toi, tu étais d'autant plus soumis à ce genre d'erreurs de par le fait de ta maladie qu'on espère rétablir le plus vite possible. Tu seras guéri pour Spa au mois de septembre, j'espère. Ah, j'espère bien, sinon là, il y a vraiment un problème. Non, mais je pense que ça ira, surtout à Spa, là, je serai à 110%, il n'y a pas de souci. Et déjà la semaine prochaine, en GTE ? Aussi. Prêt pour Le Mans ? Pas de problème. Ouais, aussi. Écoute, enfin, Le Mans, on verra, je crois que c'est le Bugatti qui est en discussion également. Donc on verra ce qui sera décidé aussi de ce côté-là. Bah écoute Romain, merci pour tes quelques mots. Une nouvelle fois, bravo pour avoir emmené un podium avec, comme on dit, la goutte au nez. On va laisser, je pense, te reposer. Tu as besoin, c'est peut-être pas une bonne douche, mais au moins d'un bon lit. Donc, ouais, une bonne douche aussi. Ouais. Une bonne douche aussi, ce sera nécessaire. Merci Romain et félicitations encore pour ta deuxième place. Merci à toi. Alors on retrouve maintenant le vainqueur du jour. Olivier Vignon, ce n'est pas sur une 458 cette fois-ci, c'est sur une Porsche. Il a passé l'arme. Si vous êtes Porsche ou Ferrari, vous allez, vous arrangez avec eux. Olivier, vainqueur d'une course à élimination, mais il fallait quand même être devant et tu gagnes de manière assez autoritaire avec, je crois, quelque chose comme 8 secondes d'avance sur Thomas. Ouais, ben, je m'y attendais pas non plus, un peu comme Thomas pour le podium. J'ai eu un petit peu de chance parce qu'il y a l'abandon de David et puis de Pierre aussi. Oui, alors Pierre, donc, visiblement, c'est dû à un souci technique où un retardataire serait venu se téléporter sur lui. Ah, d'accord, ok, ça je sais pas. Et puis David, David, c'est sa magnifique connexion 4G offerte par Bouygues Télécom qui malheureusement n'a pas tenu. Mais bon, ça t'offre les points de la victoire, donc finalement, donc, c'est pas si mal. Oui, tout à fait. Honnêtement, c'était la deuxième place, ça devait finir comme ça, et puis bon, j'ai de la chance d'avoir. Ça, de temps en temps, il faut que ça tourne dans les sens avantageux, quoi. C'est bien, toujours, en tout cas, ça s'est mieux terminé, je pense, qu'à Mosport, parce que j'avais entrevu une Ferrari dans le mur. Est-ce que c'était la tienne? À Mosport, je finis. Oui, tout à fait. Voilà, j'avais vu le screen sur le Facebook, j'ai dit, mon Dieu, qui est allé? Est-ce que c'est encore Mathis qui a fait des bêtises? Non, c'est moi. Mais j'ai pu finir quand même, j'ai pas abandonné. Tu as pu terminer, voilà. Moi, j'ai malheureusement pas été en mesure de vous la proposer, cette course. Oui, donc j'ai pu finir quand même, j'ai perdu quelques places, mais j'ai pu finir dans le top 6, je crois. Enfin, voilà. Donc, le début de course, c'était sympa. J'ai eu une grosse bagarre avec Logan. C'était très très sympa, et c'est une fois que je l'ai doublé que je me suis aperçu qu'en réalité il avait plus de pare-chocs qu'avant, je crois, et c'est pour ça qu'il allait si vite dans la ligne droite, et que j'arrivais pas, même avec l'aspiration, à passer, quoi. Et bon, il avait du mal à tourner dans les virages lents, donc... Et on avait vu pas mal de sous-virages dans les virages de vitesse, et pas mal de blocages de roues également, voilà, ouais. Au niveau notamment du troisième secteur qui est très très technique à ce niveau-là. Quelques hors-pistes aussi, et après j'ai compris une fois que j'ai doublé que sans pare-choc avant, c'est sûr que en ligne droite il devait prendre pas mal de kilomètres heure en plus, et par contre dans les sinueux, c'est plus compliqué pour lui, et c'est pas évident de passer des fois dans les sinueux. Surtout sur avec un circuit pareil, j'allais dire, c'est des virages quand même à mi-vitesse, en 3 ou 4e, donc c'est pas évident de passer, il n'y a pas de gros freinage. C'est des virages un peu moyens, quoi. En tout cas, on voit que Logan sur le chat se délecte de la perte de son pare-choc. C'est exactement. Assez folklorique. Voilà, Logan qui est avec nous également en cabine. Une victoire méritée. Et
finalement assez, assez autoritaire. On te retrouvera, donc j'imagine, la semaine prochaine pour la manche française en GTE. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse dans ce championnat de Flat 6 Super Cup, eh bien, c'est la prochaine manche. Ce sera Spa-Francorchamps. Alors, qu'est-ce que tu penses de Spa avec cette Porsche? Est-ce que ça peut être... C'est bien différent de Sochi, en tout cas. Ouais, bah Spa, on connaît, enfin moi je connais bien parce que bon, c'est un classique quoi. Mm-hmm. Donc c'est un circuit qui revient assez souvent. C'est un des plus beaux circuits et c'est très sympa de piloter dessus quoi. Avec la Porsche, et ben ça devrait faire. Bon, bah écoute, on vous souhaite tout autant de réussite, mais il faudra patienter jusqu'au 15 septembre si vous êtes impatient. Ouais. Rendez-vous déjà mercredi prochain pour la suite des aventures en live. Merci à toi, merci à tous ceux qui étaient présents. Il y a encore Thomas qui est là et merci à Regan qui était là en fond également. On va vous laisser regagner vos TeamSpeak et faire bien, dans votre coin, dans votre équipe, le débrief. Merci Olivier. Et encore une félicitation, une grande félicitation pour cette victoire. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, de notre côté, on va mettre un terme à cette soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour nous suivre. On se donne rendez-vous dès mercredi prochain pour suivre ensemble la manche française du championnat des GTE Series. Il y aura de la lutte, croyez-moi. Soyez au rendez-vous. Merci à tous. Passez une bonne soirée et rendez-vous vendredi pour la VOD. Ciao !